Ouais. Salut tout le monde, comment ça va? La forme les gars? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Il n'y a pas eu de live depuis un petit moment. D'ailleurs, c'est le dernier live en mode avec connexion de la galère. Normalement. Normalement. La fibre, ça y est. Je sais pas quand c'est ce qui doit arriver, mais le technicien doit arriver. Techniquement, c'est raccordé et tout. Enfin bref, d'ici, allez, on va dire, on touche du bois, une semaine, deux semaines, le retour de la fibre. Et des streams vraiment régulièrement. Ça date bien, bah tranquillez-vous, Edward. Salut Zéro, salut Saitama, la fin des vacances. Ah, c'est déjà la fin des vacances. Ah, c'est vrai, ça passe vite, hein. Ça passe vite, malheureusement. Tranquillou et toi, Ozan, la forme. Je suis le seul à penser qu'ils auraient pu sortir un nouveau Mihawk. Ah, j'avoue que. Petit nouveau Mihawk, nouveau Croco, nouveau Baggy. On n'aurait pas dit non, hein. Peut-être les trois en un, hein. Selon certains. Moi, je dis pas non, hein, en vrai. Hein. À quand la caméra? Ça galère avec IVKM. Ouais, c'est parce que c'est la co, elle est pourrie, je sais. Des fois, ça fait des prises, non, c'est ça? Ça fait des trucs de merde. Vous inquiétez pas, il y aura investissement dans. Pareil, le micro, il est pas ouf, ouf. Ça va venir, ça va venir. Faut être patient, faut être patient. Salut Kouloumi. Du coup, le plan aujourd'hui, on va se faire la petite tier list de la communauté. Donc, on va voir, voilà, hein, on va faire la tier list selon vos avis. Du coup, j'ai réfléchi, est-ce qu'on prend du monde en vogue ou pas? Et je pense qu'on va pas prendre du monde en vogue. Parce que sinon, après, le problème, c'est que ça devient trop la tier list de ceux qui sont en vogue plutôt que du chat. Du coup, là, le but, ça va être bah, d'essayer de faire, voilà, avec vos avis global. Donc, je compte sur vous pour, voilà, être actif et présent dans le chat pour donner votre avis. Et puis, il y aura aussi, voilà, des petits sondages pour déterminer quel perso va être meilleur que tel perso. Salut, chat perché. Il y aura une rediffusion du live. Ouais, il y aura toujours, toujours, il y a une rediffusion du live, les gars. Vous inquiétez pas. Salut, Croze. Et du coup après qu'on ait fait la tirée, je pense que ça va durer environ une petite heure ou deux. Et une fois que ça sera fait, on verra, on ira jouer un petit peu en ligue, peut-être se faire quelques pp. Ça va dépendre un petit peu de la connexion. Est-ce que ça bug ou pas? Est-ce que il y a des décos à gogo? Et voilà, on jouera peut-être une heure, peut-être deux heures en fonction de ça. Tiens, yo, comment ça va Yukio? Ouais, il y a plein de bons retours sur les miniatures, hein. Franchement, c'est pas trop le goat, les gars. Pour les miniatures, le frérot Yukio, il ne fait pas des miniatures de zinzin. Là, toutes les dernières miniatures, c'est des... J'ai pas les mots. Que des masterclass. Que des masterclass. Quand je suis revenu sur Bounty, j'ai vu Katakuri direct. Lequel? Parce que maintenant, c'est triste, hein, mais le V1 est mieux que le V2. C'est une réalité. Un petit peu comme le V2 de Ré semble mieux que le V3. Même si ça, ça reste encore à déterminer. Il est encore un peu tôt pour se prononcer. Tu as vu la nouvelle map qui arrive demain? Ouais, c'est vrai. Bah, j'en ai pas fait de vidéo parce qu'au début j'avais pas vu. On m'en a parlé, c'est quand hier du coup. Map Impel Down, bah si vous voulez, on va aller jeter un petit coup d'œil à ça. Pour ceux qui l'auraient pas vu, il y a une nouvelle map qui va sortir. Impel Down. Et franchement, map qui a l'air intéressante. Graphiquement qui est magnifique. Et une nouvelle map, c'est une nouvelle map. De toute façon, ça fait toujours plaisir. On accueille toujours ça, voilà, avec plaisir. Alors, c'est où c'est là? Hop. Tac. Je mets ça en grand. Change de scène. Ah oui, tiens. Tiens, c'est vrai d'ailleurs. Alors, on est combien là? On n'est pas beaucoup aujourd'hui, hein. J'ai l'impression qu'on est qu'une petite cinquantaine pour l'instant. Bon, bah, je vais quand même vous montrer, histoire de faire le test. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Alors, on va faire un petit sondage. Est-ce que vous préférez en... Alors, c'est celui-là. Donc, voilà, ça c'est... non, c'est... Merde, plutôt celui-là. Donc, ça c'est, voilà, l'overlay classique. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'overlay, hein, tout simplement. Enfin, si, voilà, il y a le petit chat, là, sur la gauche. Et puis, voilà, la facecam en bas. Donc, est-ce que vous préférez qu'on fasse ça? Ou alors, justement, il y a le frérot Yukio qui m'a fait un overlay. Donc, voilà, hop, comme ça. Vous préférez quoi, les gars? C'est sympa avec l'overlay, ça donne un bon petit style. Attends, par contre, on voit pas le chat, j'ai l'impression. Il est où, le chat? Il est supposé être là, mais je sais pas pourquoi. Il n'y a rien qui s'affiche. Comment ça se fait qu'il s'affiche pas? Le premier, lui... La cam est un peu petite. Ouais, la cam est un petit peu petite, j'avoue. Alors, attends. Par contre, elle est mal cadrée. Je peux peut-être recadrer un petit peu mieux. Bon, après, je pourrais faire des ajustements. Il y aura des petits ajustements qui pourraient être faits. Là, on va dire, c'est un premier jet. Si est-ce que ça vous plaît. Attends, bah, tiens, je vais commencer à lancer un petit sondage. Pour savoir un petit peu l'avis de ceux qui sont là dans un premier temps. Comment je fais pour... Ah, c'est là. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas stream. Je suis du père, dis donc. Quel overlay 100 overlay avec overlay. Histoire de se donner un petit avis, voir un petit peu la balance.
Il est cool le deuxième, mais pour voir le combat, c'est embêtant. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est moi aussi, c'est ce qui me dérange un petit peu avec le côté overlay. C'est que du coup, on perd un petit peu en visibilité de l'écran. Alors qu'en full, bon bah voilà, au moins c'est en full quoi, tu vois tout. Mais ça donne un petit style sympa avec l'overlay aussi, je trouve quand même. Il y a un petit délire. Hein. Bon, en plus, il est grave propre. Hein. Il est grave propre. Par contre, je sais pas pourquoi il n'y a pas le chat. Normalement, il devrait y avoir le chat. Alors attendez, MDCAM. Je vais copier celui-là. Je vais le mettre là. Non, non, non. Hop. On va le mettre là, coller. Et du coup, attends, est-ce que c'est bien? Moi, je le vois pas. Hop, oh, je vois pas. Il m'a copié un autre truc, mais non, ça n'a rien à voir. Il m'a copié l'overlay. C'est quoi overlay? Bah, en gros, c'est les petits contours que tu vois là, tout autour de la vidéo en orange et bleu. Ça, c'est l'overlay. Et en gros, sans overlay, c'est comme ça. Voilà. Là, il n'y a pas d'overlay. Tu vois les nouvelles pièces de l'équipage de Roger et Barbe Blanche? Je veux dire les pièces débutants là? Attends, non, bah non, je les ai pas récupérées sur ce compte là. Il fallait faire des invitations, j'en ai fait aucune. Comment tu trouves mon nouveau pseudo? Bah, il est illisible. Ratoma, c'est ça? Atoma? Katoma? Shinjuku, c'était bien, c'était simple, c'était efficace, hein, j'aime bien. Hein. Du coup, pour l'instant, vous êtes en majorité sans overlay. Hein. 80% sans overlay, 77% sans overlay. Et ouais, hein, du coup, il s'affiche pas. Hein, il s'affiche pas, il s'affiche pas. Bah, du coup, bon, bah, on va laisser sans overlay. Du coup. On verra comment évoluent les votes. Quand il y aura un petit peu plus de monde tout à l'heure, là, on est combien? 61, ça monte un petit peu. 69. Quand il y aura un petit peu plus de monde tout à l'heure, on refera un test. J'aime bien ton contenu, merci Amy. Les temps sont durs niveau diam spawny, ouais. Oh, quoique, hein, ça va, hein. Parce que j'ai invoqué sur le portail de Bello Betty il y a pas longtemps, là, 180 diamants. Et là, j'ai re envie d'invoquer mes 100. J'espère on va avoir 180, je refais un passage sur le portail de Bello, les gars. D'ailleurs, j'ai fait un passage aussi sur mon compte principal. J'ai invoqué partout, tellement j'ai envie de l'avoir. J'ai 5 top 1. On va voir ça, on va voir ça. Bah, du coup, allez, on va s'atteler à la petite tirée. J'attendais qu'il y ait un petit peu de monde qui débarque, quand même. Enfin, quand même mieux s'il y a un maximum de monde pour donner un petit peu d'avis. Et du coup, je vais changer de scène. Alors, du coup, on va passer là-dessus. Ah oui, tiens, c'est vrai, la nouvelle map. On va voir vite fait la nouvelle map pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Pareil, pour refaire petite découverte. Alors, du coup, c'est Impel Down. Et la map est franchement. Attends, on voit les cages direct. Je crois qu'on a loupé les cages. Non. On va aller voir après. Franchement, avec les petites cages et tout, je trouve ça trop stylé. Ouais, voilà ça. Ça donne une petite ambiance là. Le petit escalier. Du coup, on est au sixième étage. On est au sixième étage d'Impel Down. Doudoudoudoudou. Franchement, ça a du flow. Ça a du flow. La petite y va. Et donc, déjà, première chose qu'on peut voir de particulier sur la map, c'est que cette porte elle s'ouvre. Donc, ça va être un petit peu comme les portes à. Comment ça s'appelle? À Arlong Park. Donc, là, a priori, ça a l'air d'être à 1 minute 30. À partir de 1 minute 30, est-ce qu'il n'y a qu'une porte? Il y a peut-être deux portes. En tout cas, celle-là. Ouais, non, je pense qu'il n'y en a qu'une. Ouais, logiquement, peut-être sur A aussi. Et au niveau de la config de la map, on peut voir. C'est assez intéressant. Du coup, on a un mur là, un mur là. On récupère le temps base là. Pour aller récupérer le deuxième, il faut refaire un détour là. Donc, du coup, les persos qui vont ignorer les décors, ils vont se mettre trop bien. Et surtout la map, je la trouve super compacte. On est sur une toute petite map, mais qui pour une fois est bien foutue. On a des décors, donc tu peux te cacher un petit peu. Donc ça c'est quand même bien. Hein, franchement la map, j'ai hâte de tester ça. Et elle sort du coup demain. Elle sort demain matin. Donc bah demain matin on testera tout ça. GG pour ton top. Quel top? J'ai pas fait de top depuis un moment les gars. Et moi, ce qui aurait manqué sur une map, c'est un genre d'endroit qu'on avait avec le poisson sur Dressrosa, genre. C'est le Minotaur, un truc comme ça. Ah ouais, c'est vrai que ça aurait pu être sympa, c'est vrai. Mais bon, bon. D'un côté, si on compare les poissons aux tempêtes de sable, les poissons sont tout de même moins chiants, ils apportent un peu plus. Mais ça, c'est des trucs, vas-y, avec parcimonie, il faut pas trop en avoir en vrai. On verra ce que ça donne en jeu, mais déjà, s'il y a une petite mécanique d'ouverture de porte, ça veut dire qu'il va falloir faire sacrément le tour de la map. Donc, début de game, on risque d'être sur une map axée pour les fonceurs et après une map axée pour les attaquants plutôt. Imagine au bébé, ils nous font une. Peinte. C'est vrai que je peux donner mon cadre. Bon, je leur place celle-là aussi.
Ok, bon, on va pas se tromper. Je verrai ça plus tard. Imagine, hein, et après il y a Barbe Noire avec la map. Ah, ça commence à devenir tard là. Ça commence à devenir tard pour faire venir Barbe Noire, je pense. Là, le plus probable, c'est qu'il continue sur l'île Céleste. Ah, Bastanui plus Homme Poisson égale pire map. T'as oublié Bratinui, hein. Bratinui, c'est pareil, hein. C'est exactement comme Homme Poisson, c'est un boulevard et c'est chiant quoi, ça bouge pas assez. Salut Coca. Ça serait bien à la limite une action du Minotaur mais qui impacte pas les games, genre juste on le voit faire quelque chose. Ah, tu veux dire pour le style? Oui, ouais. Mais à la limite préférée, enfin, qu'il y ait au moins un petit impact, qui sert un petit peu à quelque chose. Après, un autre truc qui serait intéressant, je trouve, je viens de penser à ça, mais sur le combat de boss, un seul des combats de boss en tout cas, sur celui de Marineford avec les trois amiraux, on avait Sengoku qui apparaissait au bout d'un moment. Et ça pourrait être sympa sur une map d'avoir pareil, voilà, genre un perso qui apparaît aléatoirement, de temps en temps c'est pas systématique, et qui fait un truc, je sais pas, genre une projection à travers toute la map, un truc comme ça, tu vois, ça pourrait être assez sympa. Drum pire map, ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais perso, je kiffe bien, hein. Moi j'adore Drum, franchement. C'est une map, elle est grave propre niveau mobilité, elle est bien pour les défenseurs, attaquants, défenseurs, on peut jouer beaucoup de persos dessus. Faut qu'on en parle, meilleure map selon vous, la meilleure map? Meilleure map, je pense, c'est Onigashima ou Wano. Pour moi, c'est les deux meilleures maps. Clairement, de très loin. C'est quoi un overlay? Donc là, il n'y a pas d'overlay. Ah oui, bah attends. Voilà. Là, il n'y a pas d'overlay. Donc on est sur le jeu classique. Et avec l'overlay, ça donne ça. Comme ça, les gars. Donc on a la cam plus petite. Donc il y a le chat normalement dans la case là-haut. Mais je sais pas pourquoi il veut pas apparaître. Il est buggé. Et du coup, bah le jeu est un peu plus petit, quoi. Non, ça va, c'est assez mitigé quand même. Hein. 62 votes, ça remonte un petit peu pour sans overlay, 35%. Comment ça... Attends, je sais que je peux régler l'histoire du chat qui apparaît pas quand même. Parce que c'est. Attends. LDK. Chat Twitch. Copier. Ah, mais du coup, c'était pas chat Twitch, c'était chat YouTube. Oh, c'est tellement. On se rend pas compte, mais c'est une galère tout ça. Attends, c'est celui-là. Hop, tac. On va coller, coller. Ah, voilà. C'est bon, ça marche. Par contre, après, il faudrait que je l'agrandisse, mais je le ferai genre si jamais on garde l'overlay. Si on garde l'overlay, je pourrais augmenter la taille du chat. Mais là, si je le fais, il va prendre toute la place sur le classique. Il est beau ton overlay, mais le... Ouais, franchement, il est propre. C'est le frérot Yukio qui l'a fait. Bah, on va laisser. Bah, de toute façon, là, pour l'instant, on n'est pas en mode jeu. On n'est pas en mode jeu pour l'instant. Pour l'instant, on est en mode. On va attaquer la tier list tranquillement. On est combien là? Ça monte gentiment, on est 82? 70? 70 ou 82? Bon, tant qu'on est une petite centaine, c'est déjà le minimum. Je teste l'overlay en combat pour avoir un rendu final et savoir si ça passe en combat. Le ratio longueur-largeur n'est pas trop atteint. Tu veux dire qu'on peut encore adapter encore au niveau et optimiser au niveau de la taille, c'est ça? Sur le serveur. Il y a des qui peuvent t'aider. Vis-à-vis de l'overlay, vis-à-vis de quoi, Arda? Faut mettre des likes, l'équipage. Et oui, claquez vos petits likes là. On en a combien? 29? 32? Ah, faut que ça monte un peu. Faut que ça monte un peu. Allez, alors du coup. Est-ce que vous voulez qu'on bouge certains persos? Donc, on va pas trop s'attarder dessus, mais est-ce que dans les persos à fuir, il y en a que vous voulez mettre dans fun et des persos fun que vous voulez mettre dans à fuir? T'aimes bien Roger V2? Ouais, franchement, il est cool le perso. J'étais top 17 en 2 jours. En 2 jours, j'ai descendu. Ah bah oui, hein, si tu joues pas, ça tombe vite. Hein. La taille peut être un peu plus optimisée, mais sinon, hein, pas trop touché comparé au format sans overlay. Bah, on testera de toute façon. Bah, quand on ira jouer un petit peu tout à l'heure, on fera avec et sans. Luffy SBF, tu le mets où? Bah, on va voir ça. On va voir ça un petit peu. Robin Millefleur, c'est laquelle? Dans Fun, j'imagine. Celle-là ou celle-là? Salut, j'ai loupé quoi? Pour l'instant, rien. Hein, ça vient de commencer, tranquillou. On vient juste d'attaquer. On n'a même pas encore placé un seul perso pour l'instant. On a attendu tranquillement que ça débarque gentiment. Gaimon en GOAT. Ah bah oui, celle-là. Et Dugong aussi. GOAT tier. Parce que Dugong, c'est le GOAT aussi. Et il est où Gaïmon? Il est où mon Gaïmon?
tellement de prestance. Voilà, je le vois avec sa tête de sa tête d'arbre. Le Louvain et les Gauleries. Ouais, c'est vrai, on peut le passer dans Fen. C'est vrai qu'il y a un petit. Bah attends, il est pas déjà dans Fen? Je le vois pas. Je le vois pas, je le vois pas. Si, je crois qu'il est déjà dans Fen. Non, même pas. Il est perdu. Il est du père. Il est caché dans la horde de perso qui prend la poussière. L'outil V1. L'outil V1, il. Bah après, là, j'ai pas classé dans l'ordre. J'ai pas, je les ai pas classés. S'il est déjà dans Fun, c'est que voilà, il c'est dans les persos, voilà, Fun jouable. Après, il est peut-être bas, mais ça veut rien dire. Il est pas plus mauvais qu'un autre. Parce que là, je me suis, il y en a beaucoup et ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les classer qui est meilleur que lui. Genre, par exemple, sinon, Valucci, celui-là, CP0, c'est un perso qui est assez cool. On peut le mettre assez facilement là. Peut-être, si vous voulez, on peut même peut-être le mettre dans correct. Hein. Tu fais jamais de placement commercial? Non, j'en ai fait une fois, mais. On va dire ça n'a pas trop marché, enfin ça n'avait pas trop d'intérêt quoi, donc... Bon, j'ai plein de demandes là ces derniers temps, ils n'arrêtent pas, mais genre c'est des trucs AliExpress et compagnie machin, je sais pas quoi. Pas envie de me prendre la tête avec ça. Laissez perso, ça fait perdre du temps pour rien, personne ne va les jouer. Ouais, t'as raison, bah, c'est histoire de gagner du temps un petit peu, on est combien? Faut que ça monte un peu là, 80. Parce que ça serait plus sympa, plus on est nombreux, mieux c'est quand même. Bon, allez, on va attaquer, premier personnage, Blanchounet. Dans un premier temps, on va juste, on va les placer dans une catégorie. Donc là, Blanchounet, vous me dites, dans le chat, correct, fort, excellent, God tier. Bon, God tier, voilà, j'imagine, ça va pas. Le sabot a des autos rapides. Quel sabot? Il y a trois sabots. Pour être correct, fort, fort, correct, fort. Fort, 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 fort. Oh, attention, c'est équilibré hein, quand même. Fort, fort, excellent, excellent. Bon, on va mettre dans fort. On va mettre dans fort. Et après, on adaptera en fonction des persos qu'on a déjà placés. Ensuite, Katakuri V1. Katakuri V1, pareil. Fort, correct, excellent. Fort pour ses stacks. Correct. Trop de temps à stack. Mais c'est vrai que le barbe blanche pour les stacks, c'est un petit peu long. Correct, fort, fort, fort. Je pense qu'on peut le mettre dans les forts. Hein. Devant bébé. Je suis plus ou moins d'accord. C'est vrai que depuis son up, c'est devenu... C'est vrai que la hype, elle a un petit peu redescendu après le up. Parce que du coup, quand il y a eu le boost, tout le monde l'a joué. Maintenant, ça le joue un petit peu moins. Mais c'est un perso qui met des grosses claques hein, en vrai. Ensuite, on a le V2. Kata V2... Bon, je pense qu'on va plutôt l'envoyer dans les corrects. Hein. Vous en pensez quoi? L'ancien tout noir de Dressrosa, je l'avais testé. Tout noir de Dressrosa. Sabot rouge alors. Et j'étais surpris de la vitesse de ces autos. Pareil, il a ses deux autos. Tu parles des autos classiques ou des autos avec le boost? Ouais, correct, on est d'accord. Odin, Odin, Odin. Hein. Là, on est sur un cas un peu particulier. Hein. Odin, est-ce qu'il va dans les forts? Excellent. On est sur un perso qui reste encore un minimum viable. Mais niveau pure capture maintenant, bah, son habilité elle est tellement counter par beaucoup. Hein. Correct, je pense que ça serait dur de le mettre en correct. Hein. Ça serait dur. Ça reste quand même un SBF. Faut pas oublier qu'il a énormément d'atouts en termes de traits. Basiquement, bon, on est sur un défenseur avec un bon gros potentiel offensif. Fort. Devant Kata. Je pense devant Kata quand même. Katakuri V2, pas devant Lucci V2. Vous voulez qu'on mette Lucci dans correct? Vous voulez qu'on le fasse monter d'une case, le Lucci? Ah, ça me dérange pas, hein, en vrai. Hein. Mais après, faut avoir une bonne maîtrise, quand même. Hein. Excellent, trop de def. Il leur fait mal. Odin, excellent. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Attends. Hop, on va mettre fin à ce sondage là. On en refera un tout à l'heure pour le overlay sans overlay. De toute façon, on refera les tests quand on jouera. Et on va faire un petit sondage sur Odin. Odin, Odin. Attends, c'est là. Non, pas de question-réponse. Sondage. Odin. Fort. Excellent. Allez, dites-moi voter, les gars. C'est plutôt fort, plutôt excellent pour le Odin, parce que je vois que ça reste assez partagé. À nouveau, G5, Egghead, ça serait insane. Non, ouais, complètement d'accord. Bah, je pense qu'ils vont finir par le refaire, vu que tous les persos du jeu, on va dire qu'ont un minimum de hype, ont droit à une V2, une V3, si ce n'est pas une V12, Luffy, c'est obligé d'avoir un autre G5.
Pour le prochain, vous voyez quoi comme un G5? Perso, je pense que ça sera un attaquant. Ils sont obligés de nous faire un attaquant pour le prochain. Waouh, en vrai, fonceur, ça reste quand même aussi viable de fou, hein. Ça correspondrait bien au perso. Fort, fort, fort. Bon, allez, hop, il n'y a pas de débat. Il est dans fort. Ensuite, on enchaîne avec le Crocoboy. Crocoboy, bon, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de débat. On l'envoie dans les corrects. Je dis fonceur G5. Ah ouais. G5 blanc ou ombre de sur. Ouais, bah oui, ça oui. Je pense que tous les prochains bons gros persos hype. Fun? Fun? Ah ouais, fun? Allez, bon, allez. C'est votre tier list, les gars. C'est fun alors. Reiju. Reiju, on met dans fun ou dans correct? Et Reiju, les gars, depuis Aramaki, depuis pas mal de persos, je trouve que son boubou, il est trop sous-estimé. C'est trop fort, en fait. C'est trop, trop fort. Et c'est abusé. Correct? Allez, on met dans correct. On va mettre derrière, on va respecter quand même Katailuchi. Correct, voire fun. Ah, puis c'est vrai qu'il y a un détail, si le boubou est trop fort vis-à-vis de ses alliés et compagnie, de certaines mécaniques que tu peux instaurer avec tes mates, mais c'est surtout aussi pour un fonceur, elle est capable de one-shot Mama, elle est capable de one-shot plein de persos rouges, enfin bref, elle a de très bons dégâts. On va peut-être mettre un perso évident à placer dans chaque catégorie pour mieux se situer. Bah, petit à petit, quand on va les placer, ça va être le cas. On va les replacer, on se rendra compte que bah, tel perso, ça va pas dans cette catégorie de personnages. C'est plus simple de se repérer au fur et à mesure. Ensuite, on va enchaîner avec Sanji Bleu. Sanji Bleu, bon, pareil, là aussi, pas beaucoup de débats. Je pense que ça va dans correct, voire dans fun. Voilà, quoi qu'on va respecter, je pense que c'est quand même un minimum correct, surtout depuis le up, non? C'est vrai que je le joue pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui le jouent. Fun, 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 fun. Bon, allez, allez. Go fun alors. Ensuite, Sengoku. Sengoku, je pense que. Fort? Ah ouais? Fort? J'aurais tendance à le mettre au moins dans les corrects. Fun, fun. Correct. Sengoku, beaucoup de résistance, beaucoup de restauration des PV. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Des projections sur les autos. Ignore la def. Fun, correct. Fun, fun. Bon, pareil, on va pas faire des sondages pour cela, on va le mettre. Allez, on va en majorité, il y a majoritairement du correct. On va le laisser dans correct alors. Ensuite, on va enchaîner sur Riley Vert. Hein, Riley Vert, je sais pas, est-ce que vous le mettez plus dans fun? Dans correct? Fort? Bon, fort pour l'avoir rejoué récemment. Certes, il met des one-shots sur certains persos, mais en niveau résistance, c'est compliqué. Il y a des match-ups qui sont absolument pas abordables pour lui. Correct. Allez, correct. Et je pense qu'on peut le mettre devant Katakuri. Ce qui mérite un petit devant Kata, on est d'accord? Correct devant Kata, vous êtes d'accord avec moi, c'est parfait. Enfin, avec moi. On va dire c'est une tier liste commune. Ensuite, on va enchaîner avec le Franky Shogun que ah, j'ai toujours pas joué. Hein. Il est en route sur le level 80. Bon, pareil, encore une fois, je pense que ça va dans les corrects. Peut-être même dans les forts. Dites-nous si jamais il y en a qui l'ont. Tony Dictature, exactement. Si tu mets Sengoku dans le correct, le regret, je le vois pas en dessous. Tu veux dire que Ray est plus fort que cela? Fort, fort, correct. Correct. Je vois pas mal de forts. On va le mettre dans fort. Derrière Blanchounet, Kata, je pense que c'est une bonne position. Ensuite, du Kaku. Bon, Kaku, on va pas trop s'attarder. Voilà, fun, je pense, facile, rapide, simple. Le Onigashima. Le Onigashima, je pense que ça va dans les. Ah, dans les corrects quand même les gars. Hein. Ça... Fun, fun, le Onigashima. On a des stacks de DF, ouais, correct, correct, correct. On est d'accord. Correct, voire même fort. Ah oui. Parce qu'il a des dégâts sur les pourcentages de PV, il a des bonus de défense, des bonnes résistances de base, des projections. Il a encore beaucoup d'atouts. Il a encore beaucoup d'atouts. On va le mettre devant un petit Katakuri, je pense. C'est pas trop mal. Limite, ça vous dit, on fait un truc comme ça? Comme ça, c'est pas trop mal, non? Meilleur que bébé, le Fioni. Vous voulez qu'on le monte encore, le Fioni? En vrai, ça me dérange pas tant que ça. Ça me dérange pas tant que ça. Il est plus complet. Il est plus complet. Ré correct. Vous voulez qu'on rebaisse le Ré? Allez, on remet le Ré là, si vous voulez. Et on met le Fi. Parce que le mettre devant Blanchounet, faut pas oublier que Blanchounet, il a bonus de défense, bonus d'attaque. Certes, c'est long à stacker. Mais le Fi aussi, c'est un peu long à stacker. Quoique sur ses autos, non, enfin avec sa compétence appui, c'est rapide. On
dessous de Kata V1. Bon, allez, hop, on le met en dessous de Kata. Voilà, parfait comme ça. Robin Agnès Lobby. On va pas tout dire, je l'ai pas sorti depuis une éternité. C'est vrai qu'il y a un petit peu moins de persos qui spamment les projections. Correct ou fun? J'hésite entre eux. C'est soit correct, soit fun. Correct. Correct, je pense. Si on met Sengoku dans correct, on est obligé de la mettre dans correct. Ou alors Sengoku, on passe en fun, quoi. Correct devant Ray. Devant Ray? Fort à l'époque et fun maintenant. Fun, bah. Allez, c'est vrai que. Elle a pas de dégâts, hein. Elle a pas de dégâts, juste elle résiste, quoi. C'est ça le problème. Et autant avant, il y avait des personnages qui avaient pas des dégâts de zinzin, mais maintenant il y a tellement de personnages qui ont des dégâts de fou. Je pense qu'on la met, voilà, au niveau de Kata, c'est pas trop mal. Largement plus complète que Rei. Correct derrière Sengo. Après Riley. On va la mettre, on va trancher la porte, on va dire, on la met là à peu près. Elle fera rien, elle résiste juste, quoi. Bah après, faut pas oublier que c'est aussi de base le rôle d'un défenseur. L'essence pure d'un défenseur, c'est juste de résister, c'est pas de casser des gueules. Donc une fois qu'elle va être posée sur un mid, il n'y a pas de match-up, on va dire, trop relou, style Shanks VR, ou des autres persos qui auraient des autos sur, enfin, des autos qui projettent. Je peux vous assurer, il y en a, ils ont peut-être pas connu les cauchemars, mais je peux vous assurer qu'elle est capable de vous faire faire des cauchemars, ce perso. Ensuite, on va avoir du Kid, El Clasico, El Clasico. Il y en a toujours qui le jouent un petit peu, ce Kid. J'en croise pas beaucoup, hein, mais j'en croise de temps en temps. Alors qu'il a traîné dans la méta pendant tellement longtemps, j'aurais dit fort. Pour l'instant, je pense qu'on peut le mettre... j'ai tendance à... Je sais pas, peut-être ici, je le vois pas mal. Bah avec les personnes maintenant, elle sera jamais autant chiante qu'avant. Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Fort devant le Fioni. Ah ouais, dans... Ah oui, fort, oui, c'est ça. Ouais, ça me va... Ouais, je trouve que c'est une bonne place, on est d'accord. Je mets force en résistance. Il manque de dégâts purs. Bah, c'est vrai qu'il manque de dégâts purs. Bah, c'est tout repose sur les pourcentages de PV. C'est un peu comme le Fioni, on est un petit peu plus safe parce qu'il est pur réduc. Ensuite, c'est l'Onigashima. L'Onigashima. C'est pas facile ça. C'est pas facile ça. Parce que d'un côté, ouais, j'ai envie de le mettre dans fort quand même. Mais c'est vrai que je l'ai pas sorti depuis longtemps. Le kit donne des esquives parfaites, c'est ça le point noir avec sa close zone. Ouais, c'est vrai que pour ça, c'est un peu chiant. Bah après, ça dépend, parce que si le kit a un bon placement, une bonne gestion de sa zone, ça peut être très chiant. Fort, réfléchis pas. Allez, fort, réfléchis pas. Et on le met où à peu près? Bon, logiquement, je pense qu'on le met soit devant, soit derrière Blanchounet. Pour l'anti-resto, j'aurais dit fort. C'est vrai qu'il y a l'anti-resto, oui, effectivement. Derrière bébé, après bébé, allez, après barbe blanche. Sentomaru, je pense que ça go dans les corrects. On est sur un perso qui a des bons stacks de défense. On peut assez aisément le mettre, je pense, devant ou derrière un Ray. Je pense qu'il mérite, hein, à peu près. Hein. Parce qu'il a des bonnes résistances, stack de défense, des bonnes projections qu'il peut spammer. Après, allez, derrière Ray, c'est pas mal. Le mettre derrière Reiju, je pense que ça serait dur. Parce que Sentomaru, actuellement, il a beaucoup plus d'intérêt que Robin, par exemple, si on peut comparer. À la limite, ça se bataille déjà un petit peu plus avec Kata. Avec un bon set de pièces, il peut aller caler des one-shot, Lolo. C'est vrai que Lolo fait beaucoup de dégâts aussi. Mais bon, là, on est plus sur Lolo. Là, je pense qu'il est bien là où il est. Il est bien là où il est. Ensuite, Sugar. Pas évident, hein, on n'en croise aucune. Et un anti-malus, son seul gros atout de transformer les persos en jouets, il a plus aucun intérêt. Après, je pense qu'il a toujours son petit potentiel, mais c'est difficile de la mettre dans fort, je trouve. Fun, carrément. Carrément dans fun. Fun ou correct? Fun. Sugar très forte. Je la sors souvent, elle a sa place dans fort. Alors, on va te faire confiance, on va respecter, on va pas mettre dans fun déjà. On va plus mettre, on va mettre dans correct au minimum. Correct, voilà, on va mettre dans correct et on va mettre aux côtés de Sentomaru. Ou derrière, peut-être derrière Sento. Parce que Sento, c'est quand même déjà un petit peu plus une valeur sûre qu'une Sugar. Ou voilà, c'est déjà un peu plus dépendant de la compo qu'il va y avoir en face. Ensuite, Doffy. El Clasico Doffy. Toujours assez fort, hein. Autant il a une méta très compliquée avec G5 où il était totalement inefficace, totalement inutile. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de persos qui craignent. Bon, c'est vrai qu'avec Roger. C'est un peu tout, hein, je sais pas, fort, ça je pense qu'on est d'accord là-dessus, fort mais ouf.
Formé où? Est-ce que devant Kata? Derrière Kata? Parce que je pense qu'il reste toujours un petit peu plus efficace que ces deux défenseurs. Avant l'eau. Dofi derrière Kata. Devant, devant. Fort derrière. Bon, en majorité derrière. On va le mettre derrière Kata du coup. C'est vrai que Kata quand même. Ça a quand même un sacré impact. Hein. Un Kata, c'est. De la compétence 1 ou compétence 2, ça despawn, ça despawn un paquet de personnages. Brocolcake, ça part dans les corrects. Correct ou fun? Parce que ça, encore une fois, c'est un perso qui est sous-estimé. Hein. Parce qu'il y a plein de persos, on les croise pas beaucoup. Du coup, on se dit, ils sont éclatés, personne veut les jouer. Mais deux malus différents. Une bonne mobilité. Puis en plus, son fantôme, il est bien. Hein. Son fantôme, il est bien. Fun, oh, fun, vous êtes dur, les gars. Fun, vous êtes dur, franchement. Il mérite au moins son correct. Je pense qu'il mérite au moins son correct. À limite, loin, si vous voulez. Correct devant Sento. On va le mettre, ouais, derrière plutôt, aux côtés de Sugar. Ici, ça me semble pas trop mal. Nami Wallcake, ça, c'est un BF qui a déjà un petit peu mieux vieilli. Franchement. Autant, c'est vrai que la méta G5, pareil, encore une fois, c'était très chiant pour elle. Mais là, il y a un paquet de persos qui avait emmerdé. Elle a des. Allez, come back. C'est bon, normalement c'est de retour. Je suis désolé, les gars. Comme je vous l'ai dit, c'est le dernier petit stream avec les bugs. Après, c'est le retour de la fibre. Ce sera des streams, voilà, fluides, tranquille, pas de galère. Reviens, s'il te plaît, reste fluide la connexion. Je vois, c'est pas stable. Lumière, reste allumée. Allez. C'est une tier list BF? Non, c'est une tier list tous les personnages. Tous les personnages de cette saison. Alors, du coup, on reprend. Vous êtes là, les gars? Je vous ai récupéré? Présent? N'hésitez pas à actualiser la page hein, pour vous remettre à jour directement. Parce que là, j'ai aucun retour. Pudding tout devant correct. Ah voilà, parfait, c'est le retour. Pudding tout devant correct. Aux côtés de Nami Wallcake. Ça me va. Je suis d'accord. Brook HL sur les autos. C'est vrai que, bah oui, ce que je disais, pour ça c'est quand même assez fort. GL et en plus l'étourdissement sur son fantôme il dure super longtemps, il est grave traître, c'est pas une compétence super évidente à esquiver. Si t'as pas les infos directement sur lui, tu peux pas anticiper le timing. Allez, on va le rajouter une petite place pour le Brook. Pudding vers Brook, comme ça. C'est vrai que ceux-là ils sont sacrément solides. Hein. Celle-là, elle peut être très forte, mais bon, ça demande beaucoup de skill. Et faut pas se faire attraper. Si tu t'es attrapé par certains persos, il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement. Hein, t'as mis quoi comme ça sur Bello? Moi j'hésite sur ma troisième pièce. J'ai Page One, Ulti Violette. Mon troisième, j'ai mis ta Koala Réduc 2 sur projection. Bah si t'es parti sur une base. Attends. Page One, Ulti Violette? Pourquoi tu fais pas Page One Queen? Page One Queen et Wuzbu. C'est le meilleur de ce côté-là. Ou après, sinon, bah c'est l'autre là que j'ai présenté avant-hier dans les sets de pièces. Avec la pièce du monde d'or, Pudding, et après justement, voilà, rajouter avec Cola, réduit de. Ah, merde, attendez, je vous remets ça à la cam à crash. Ok, si tu veux bien revenir. Non, il veut pas. Ah merde, attendez, l'application me fait galère. Allez! Ah merde, elle veut pas s'ouvrir. Attendez, je redémarre mon téléphone. Bon, en attendant, on va faire ça. Hein. Je vous la remets dans 2 minutes, tant que le téléphone sera allumé. Page 1, Queen et Ulti Event, c'est bien. Ulti Event, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que Ulti Event, c'est 5%. En fait, c'est vrai que du coup, alors Page 1, Queen, Ulti Event, c'est peut-être le plus opti finalement. Parce que au moins, tu cumules les tags. Et pareil, si je dis pas de bêtises, c'est 5% de réduc 1 sur la. Ah ben non. Ah ben si c'est 5% de réduction, ah ben oui mais non c'est pas de la réduc 2. C'est pas de la réduc 2, bah non ça marche pas, enfin ça marche pas. Pas en pur opti réduc 2. Et je vous assure, il y en a besoin les gars. Il y en a beaucoup qui mettent Ulti Event, je sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont pas besoin. Bah même à la limite si tu veux de la réduc 1, tu mets King, c'est mieux. King ou Kaido, ça sera mieux. Plus de son? Ah bon? Il y a plus de son? Vous m'entendez les gars? C'est bon, le retour de la cam. On remet bien, hop, tac, 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 c'est bon.
Bureau, voilà. Ah. Ouf, ouf, ouf. Et plus la capture est queen et en première pièce, je suis pas convaincu par les autres équipages s'embêtent. Je trouve la koala énervée, mais que elle qui fait ça. Ouais. Mais en plus, surtout que je me dis, projection, si tu te démerdes bien, il y a moyen d'en gratter pas mal. C'est une tier list, cool, on pourra faire des pépés avec toi, STP. Ouais, on fera des petites pépés, vous inquiétez pas, les gars. En plus, pépé là, c'est mieux que League, sachant qu'on aura potentiellement des petits crashs, malheureusement. Jusqu'à présent, je trouve tous les persos de la tier list injouables en League, même en fort. Bah, si, cela reste quand même un minimum jouable, mais enfin, pas un peu ce que tu veux dire. C'est pas évident. C'est pas évident. Après, voilà, fort, ça veut pas dire qu'ils vont rouler sur la méta. Ils vont rouler sur la méta au minimum excellent. Pour l'instant, il n'y en a aucun dans excellent. Un perso comme le Wuzzwoo fait très mal au tag chapeau de paille. Ouais, c'est vrai que le Wuzzwoo contre les persos chapeau de paille, il est vraiment masterclass. Ah, ce bon vieux Riley. Ce bon vieux Riley. En plus, je l'ai ressorti récemment. Il a repris du poil de la bête. Hein. Très clairement, on le met facilement dans fort. Après, où? À mon goût, il reste. Ouais, pareil, encore une fois, devant ou derrière Kata. Excellent, excellent. Ah, vous me faites plaisir, les gars. Excellent, excellent, ça me fait plaisir. Moi, il n'y a pas de problème. Le premier dans excellent, aucun souci. Aucun souci. Surtout, et du coup, bah oui, j'ai fait la vérif. C'est bien des bugs, mais autant. Alors, du coup, le Riley V1 cancel pas la compétence de Kid. Enfin, cancel pas les invincibilités, tout simplement, les compétences invincibilité. Mais RV2 et RV3 cancel bien toutes les compétences invincibilité. Et donc ça, bah du coup, c'est un atout qui est pas négligeable. Jack, la sécheresse. Pareil, là encore une fois, fort ou excellent? Parce que Jack, pour moi, c'est du calibre de Kata minimum. On a les stacks d'attaque, on a une bonne restauration. Son plus gros souci, ça va être l'utilisation de sa compétence à appui. Que tu es assez vulnérable. Excellent, fort, 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 fort. Pas excellent du tout. Donc on le met dans fort aux côtés de Kata. Fort après Kata? Ah ouais? Après Kata du coup? Devant Dofla? Ouais, bon, a priori vous allez. Ok. Par là, ça me va aussi, en vrai. Hein, ouais. Ça me va aussi. Parce que c'est vrai que pour l'avoir joué, il y a des moments où tu peux carrer un peu, faire du sale, mais il y a d'autres. C'est un peu compliqué, quoi, malheureusement. Ensuite, on va enchaîner avec le Kaido bleu. Kaido bleu, Kaido bleu. Soyez pas trop dur avec Kaido bleu, s'il vous plaît. Où est-ce que vous pensez qu'on l'envoie, ce Kaido? Est-ce qu'on l'envoie dans les tréfonds? Est-ce qu'on le respecte un minimum? C'est comment que ça se passe? En vrai, fort, j'abuse un peu, il est facilement esquivable. J'avoue que niveau esquive, c'est. Mais après, là où c'est fort sur ce genre de perso, c'est que même s'ils ont des compétences lentes. Quand ils ont autant de dégâts grâce à leur bonus d'attaque sur leurs autos, ils vont pouvoir mettre tellement de pression qu'ils peuvent faire claquer des esquives graves facilement. Fun, fun. J'ai dit respectez-le! Excellent. Non, excellent, je peux pas, les gars. Je peux pas, c'est pas possible. Le plus haut qu'on puisse le mettre, c'est fort. Je pense le plus, voilà. Et encore. Parce qu'il se fait vraiment pisser dessus, hein, malheureusement. C'est vraiment pissé dessus par Roger, par Claude, par. Enfin bref, par trop de persos, c'est chiant. Fun. Si on le respecte, je pense qu'on le met dans le fort au moins. Et on le met par là. Fort par là. Fort devant Oden. Ah. Je trouve ça compliqué, hein. Fort, malgré sa résistance de malade mental, mais le clou, le Roger l'extermine. Bah, c'est ça, et non seulement il extermine, mais en plus, là où c'est le pire, c'est qu'il respecte pas du tout son rôle de défenseur. C'est un Kaido qui est sur la défense, bon bah, ils en ont rien à foutre. Hein. Meilleur que Dofla? Fort derrière Kata. Bon, vous allez de vouloir tous le placer un petit peu plus haut, vas-y, on va le mettre comme ça, on va le mettre devant Doflamingo. C'est pas mal comme ça. Ensuite, Judge, bon, j'imagine qu'on va envoyer ça, même si pareil, hein, lui aussi très sous-estimé, les gars. Il peut être vraiment très très chiant. Il peut être vraiment très très chiant, mais je pense qu'il va aller dans correct. Correct, voire fun pour certains. Non, on est obligé de le mettre au moins dans correct, les gars. Il est largement plus efficace que Robin, il est largement plus efficace que tous ses défenseurs. Il a des dégâts qui sont très très bons. Il a des projections, il peut annuler les compétences de l'ennemi très régulièrement, et ça, c'est un. Qui est très très sous-estimé qui fait son taf.
Je pense qu'on le met devant un wall cake. Après Lucci. Baf. J'ai envie de le mettre au moins devant ces deux-là. Il est largement plus efficace que ceux-là. Faites gaffe avec les skins. 1, 2, 3. Faites gaffe avec les spoils, s'il vous plaît, les gars. Derrière Brook. Allez, derrière Brook, c'est pas mal. C'est vrai que devant Sugar, c'est nickel. Ensuite, Sanji Soba. Soba, c'est un peu tout rien. J'ai envie de le mettre dans fort quand même. Parce que l'invisibilité plus le boubou, il y a moyen d'être très très chiant dans certaines games. Même si dans d'autres, tu vas avoir l'impression bah, d'être juste un spectre, de rien faire, d'être inutile. Devant Sugar. Plus efficace que Kata. Plus efficace que Kata. Il a repris énormément, énormément, énormément. Autant la méta G5 Claw, c'était injouable pour lui. Enfin, si tu pouvais le sortir, ça restait jouable, mais il n'y avait plus de masterclass à faire, quoi, clairement. Mais maintenant, je pense qu'il y a de nouveau des vrais masterclass à aller sortir avec ce Vista. Ah, bug, vous inquiétez pas, les gars. Si ça bug, ça va revenir, ça va pas mettre trop longtemps. C'est vrai que si je parle en même temps, c'est un peu con, du coup, vous en comptez pas. Ouais, sinon oui, comme il dit FB fait F5, faut pas hésiter à voilà, faire une petite actualisation. Soba God Tier. Ah, c'est difficile de mettre en God Tier Soba. La dernière fois que j'ai vu Soba briller en game, c'était un an. Bah, je crois que j'en ai jamais vu un seul briller en game, hein, clairement. Vista compliqué, correct, correct. Oh les gars. Correct. Y a pas des joueurs Vista là qui traînent dans le chat. Vista, quand même, Vista pour moi ça va dans fort. Vista, ça va dans fort, s'il vous plaît. Respectez-le. Wesh, les spoils. Eh. Ok. De toute façon, c'est même pas des spoils en plus, c'est juste, ça dit des conneries. Je te préviens juste, je supprime, tu recommences, je te banne. On va pas venir te plaindre. Du coup, le Vista, voilà, hop. Salut Rim, comment ça va? Excellent Vista, ouais voilà, là je suis d'accord, fort, excellent, excellent. Bon, on va le laisser dans fort alors. Bon, attends, on va faire un petit sondage pour celui-là. On va faire un petit sondage, hop. Parce que je vois que ça a l'air de faire un petit peu débat. C'est un perso qui me tient à cœur. Du coup, fort. Ouais, ça me fait mal au cul de mettre correct. Hein. Bon, on va mettre excellent, parce que j'ai vu des excellents. Fort ou excellent. Allez, démarrez le sondage, vas-y. Envoyez, 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 dites-moi les gars, est-ce que vous le trouvez plus fort, plus excellent? Respectez-moi le GOAT. Respectez-le moi, s'il vous plaît. À part son contre, je vois pas d'où il est excellent. Et la restauration des PV, Totor. Je t'assure. T'as vu mes gameplays sur Vista ou pas? Je te jure. Va voir les gameplays sur Vista, tu vas voir que c'est n'importe quoi. Il atomise tous les persos rouges, il a une restauration des PV qui est infinie. Les seuls qui sont vraiment vraiment chiants, c'est ceux qui vont avoir anti-resto. C'est tout. C'est une tier list méta actuelle parce que les Luffy et Shanks, c'est chaud, non? Tu veux dire vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Vista? Fort, 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 ouais, bon, 84%, vas-y, bah, on va le laisser dans fort et on va le mettre par là. Donc, voilà. Bah, Shanks est chiant, mais c'est pas injouable. C'est pas injouable. Il y a largement pire. Il y a largement pire. Bon, par contre, G5, ouais, G5, ça casse les couilles. G5, il y en a beaucoup encore. C'est le seul match-up qui est encore un peu, voilà, un peu bien relou, quoi. Le problème, c'est que les pronostics, tellement récents avec la méta qui a changé. Tu parles de quel pronostic? Oui, mais c'est toi qui le joues, tu as de l'expérience en tant que joueur expérimenté, mais sinon, il fait rien dans une team lambda. Paf! N'importe quel joueur qui va jouer un minimum Vista, il sera capable de faire ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai pas brûlé des décennies. En plus, je peux pas dire que je suis un main Vista. Je suis autant vrai, par exemple, je l'ai brûlé des milliers de games, ça c'est clair. Ouais, quoique Vista, j'ai brûlé peut-être des milliers de games aussi. C'est pas impossible. J'ai eu ma période dessus, je l'ai joué sur les deux comptes en plus. C'est vrai qu'en plus, j'ai fait 700 games minimum sur mon secondaire. Yo, Tété, comment ça va? Après, Tony, il est bon avec de la maîtrise. Il y en a, ils sont pas capables d'aligner trois esquives et bien placer la contre-attaque, sachant que les TF sont les plus présents, sont G5 et Barbe Blanche. Blanchounet, ça reste abordable. G5, ouais, G5, c'est une autre histoire. T'as pas les dégâts, en fait, c'est ça le problème. Vista est bon, mais qu'avec le bon set. Oui, par contre, ça, c'est obligatoire. Si t'as pas le bon set, c'est pas le même perso.
Et clairement. Allez, on va enchaîner. Jaws. Correct. Correct ou fort? Parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de perso à effet, qui retire les effets. Je l'ai pas ressorti depuis. Mais c'est vrai qu'avec ses résistances, son effet diamant, ses anti-malus, il peut être très très chiant. Il peut être très très chiant. Correct. Correct, mais assez haut, on est d'accord. Pour moi, j'ai envie de le mettre aux côtés au moins de Nami. Même pas fun. Il fait plus rien en ce moment, au moins fort. Jaws l'immortel, mais pas de projection, dommage. S'il a au moins une projection sur sa compétence 1, une compétence qui revient régulièrement, 20 secondes et quelques. Fun, voire correct. Aïe, aïe, vous êtes dur, vous êtes dur. Correct. Fun, non, fun, c'est dur. On peut pas le mettre dans fun. À la limite, dans correct, et ouf. Devant Sento, derrière Sento. Enfin, la fibre. Non, pas encore, Tété. Là, on est encore sur... La co bancale où il y a des petites décos, des petits bugs, mais la fibre ça revient bientôt. Bientôt. Les prochains streams, normalement c'est la fibre. Derrière Franky. Ouais, non, il y a trop de personnes là qu'on dit correct. Devant Soba, après Ré. Ouais, après Ré. Allez, on va le mettre là, on va trancher la poire, on est bien ici. Ok, Shiryu, depuis Oden, il a déjà un petit peu plus d'intérêt. Après. Si je dis pas de bêtises, il y a plein de fonceurs contre qui il est pas top. Hein. Contre Roger, c'est pas top. Si, c'est bien. Je sais pas. Est-ce qu'il fait son taf contre Roger? C'est vrai que je l'ai même pas testé lui contre Roger. Je viens de capter. Complètement oublié. Fort, oui, ça je pense qu'on est d'accord là-dessus. Fort. Et je pense aux côtés de Dofi, c'est pas trop mal. Hein. Shiryu en fort. Face au Roger, il est pas mal en vrai. C'est vache que ce. Ace Marco sur un perso ou pas clé. En plus, il y a des persos, des autos qui touchent pas dommage. Ouais, j'avoue que ce personnage est grave frustrant. Il mérite très très fort un rework pour être bien. Avant Dofi, devant Dofi. Allez, devant Dofi. Ouah, Dofi est plus, je pense, plus derrière. Derrière, ça me semble plus logique. Dofi, il a son mur, il a plus de capacité à survivre, il a des meilleurs dégâts. C'est difficile de le mettre derrière un Shiryu. Hein. J'aurais mis Dofi devant Jack. Vous en pensez quoi, les gars, de Dofi devant Jack? Ça me dérange pas tant que ça, en vrai. Je pense que ça se fait. Devant Dofi pour moi. Ah non. On peut faire un petit sondage si vous voulez, hein, mais je pense pas. Hein. Il y a bien une raison pour laquelle on croise aucun Shiryu et qu'on croise des Dofi, hein, les gars. Shiryu devant Dofi, derrière Dofi. Ouais. C'est parti. Votez. Bamonos. Dofi peut être utile à sa team. Bah oui, en plus, ils peuvent se cacher derrière les murs et tout. Ça peut leur mettre, leur permettre d'avoir une petite cover. Dofi, j'en croise pas non plus. Bon, on en croise pas des tens, c'est sûr, mais on en croise déjà plus régulièrement que des Shiryu. Shiryu, t'en croises absolument aucun dans la méta. Dofi, oui, on en croise un petit peu. Mais c'est sûr que depuis G5, on en croise beaucoup moins. Derrière Dofi, voilà, 70%. Bah oui, on est d'accord. C'est plus logique. Allez, on va enchaîner. Donc, on va avoir du Page One, le petit Pejinou. On peut mettre. Je pense qu'on peut mettre dans fort. Hein. Double projection, effet vibré, d'excellente résistance. Il a le même genre de résistance que Kid. Les dégâts aussi, il a une compétence qui permet d'avoir une. Enfin, qui fait 100% de dégâts améliorés. Donc il a un bon potentiel de dégâts, un petit peu à la Nami Wall Cake. Sauf qu'il est plus adapté. Il est plus adapté. Devant Kid, ouais, le minimum, je pense. Devant Kid. Ouais, je pense que c'est parfait. Parce que c'est difficile de le faire monter plus. C'est difficile. Allez, on va enchaîner. Ulti. Non, fort, mais pas très loin, hein, pas très haut, je pense. Hein. Vous en pensez quoi d'ulti? Pour l'avoir ressorti un petit peu dans cette méta, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de persos contre qui elle est vraiment intéressante. Et le perso le plus intéressant, et encore ça reste un match-up compliqué, c'est Yamace. Devant Shiryu, ouais. Ça reste open. Hein. Il faut absolument des attaquants dans la game, quoi. Après, si Oden, ça reste un attaquant, on va dire c'est un minimum ouvert.
Ulti actuellement avec Shanks et Luffy, c'est la sauce. Bah, Shanks, c'est pas le pire. Shanks, au moins, c'est un attaquant. Mais Luffy, ouais, c'est compliqué. Il faut le choper absolument en version attaquant. Le plus souvent, il est en version défenseur. Du coup, c'est galère. Devant Page One, devant Doffy. Je pense qu'on est plus sûr du. À la limite, soit devant Shiryu au mieux. Ouais, devant Shiryu, je pense que c'est pas mal. Ici, on est bien là. Marco, Onigashima. Qui craint toujours seulement les malus. Il y en a dans la méta, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Le malus qu'on a le plus actuellement dans la méta, c'est qui? C'est Roger, clairement. Je pense qu'on peut l'envoyer dans fort. Excellent. Attends. On va faire un petit sondage pour lui, tiens, aussi. Hop. Marco. Fort. Excellent. Ouais, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Fort, il prend trop cher. C'est vrai que c'est un défaut, il prend assez cher. Mais d'un autre côté, il craint pas les anti-restauration des PV. Il peut se remettre assez bien, assez vite en PV. Hein. Il est chiant à tuer. Hein. Il est chiant à tuer. À part quelques persos rouges, style Yamace, style Zoro Oni, qui vont pouvoir le détruire grave facilement. Même à chance, bon, s'il chante bien, avec toute sa foutue mobilité, il peut être chiant. Mais au moins, il y a un minimum de résistance, contrairement à certains fonceurs. Timmy n'est pas là, Tony, faut le mettre dans la fuir. Ah oui, dommage, dommage. Fort à 80%. Ça part dans fort. Ça part dans fort et on le place assez haut, j'imagine. Tendance. Plus cohérent, ça serait quoi? Ce serait par là? Devant Oden? Ah ouais? Oh. Ouais, c'est vrai que d'un côté, en termes de capture pure. Salut Belette, tranquille et toi? Demain le ramadan. Ah, bon courage alors à tous ceux qui vont faire le ramadan. Devant Ulti pour moi. Demain, tu pourras nous faire une vidéo pour la nouvelle map? Ouais, vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dessus. J'espère que ça sera du combat fixe 80, comme ça on pourra sortir un petit peu tout ce qu'on veut comme perso. Pourquoi on t'appelle Tony? Ah, parce que c'est mon blaze. Simplement. Devant Odin, devant. Voilà. Juste derrière Odin? Ouais, allez, on va faire juste derrière Odin, on n'est pas trop mal. Allez, on enchaîne avec Boa Stampede. Boa Stampede, ça part en fort. Je pense que ça part en fort. Les pétrifs, elles font pas mal le taf. Elle a une bonne resto des PV. Il y a moins de persos, en plus justement là tous les récents persos créent les malus. Bon, hormis bébé, à la limite, qui est un petit peu plus chiant. Fort devant Vista. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal effectivement. Parce qu'après la montée un petit peu plus haut, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que ces deux compétences sont assez faciles. Excellent? Ouais non, excellent, c'est un peu beaucoup, je trouve. Avant bébé? Ouais, bah c'est parfait. On la laisse là alors du coup? Avec G5, très compliqué. Ouais, G5, elle peut rien faire malheureusement. Contre bébé, ouais, c'est vrai que les défenseurs actuels de la méta, c'est assez chiant. Mais il y a plein d'attaquants, plein de fonceurs qui va pouvoir cueillir et découper. Et en plus, ça fait partie des persos où, genre, il y a un peu une arcane secrète dessus. Parce que ces autos, t'as l'impression que c'est du 100%. Elles touchent H24, c'est une dinguerie. C'est le perso qui enchaîne le plus. C'est comme Perros. J'ai l'impression que c'est bizarre. Derrière Ulti, vous voulez qu'on la monte un petit peu? Devant le Fionnier, on a elle a dit, vas-y, on va la mettre là, comme ça elle a gratté quelques places. Derrière Ulti, c'est un peu compliqué. Est-ce que ceux-là vont avoir plus facilement de l'impact en tant que défenseur ou en tant sur les dégâts? Elle a un rôle qui est un peu, voilà, qui est un peu plus hybride, un peu à cheval entre l'attaquant et le fonceur qui aurait, voilà, une bonne mobilité. Tesoro qu'on croise pas beaucoup pareil, hein, lui aussi, je sais pas trop, correct ou fort? Correct ou fort Tesoro? C'est vrai que contre Roger, il est absolument inutile. C'est vrai que dans cette méta, franchement, j'ai clairement pas envie de jouer Tesoro. J'ai essayé de le sortir. Hein. J'ai essayé de le sortir, mais. Le Kamusari de Roger, il traverse ton mur. Enfin bref, t'as zéro option pour jouer contre lui en fait. Tesoro est gaz de côté. Il l'est, je suis assez d'accord. Dans le sens où il y a plein de persos contre qui il est capable de faire du tellement sale. Mais en fait, le perso de la méta actuellement, c'est Roger. Et il fait rien contre lui, putain de merde. Fort devant Kid. Sous-côté, mais là il graille.
Bah, et là, c'est galère, là, pour lui. Ouais, à la limite, quand il n'y a pas trop de Roger dans les games, ouais, je pense qu'il y a moyen d'être, il y a moyen d'être violent. Il peut gratter quelques places. Il peut gratter quelques places. On va le mettre aux côtés de Shiryu. Alors, je pense que c'est pas trop mal, ici. Je peux mettre Kobe en Corée. Bah, attends, deux secondes, on n'avait pas encore au Kobe. À quand un vrai counter de Roger à la place de Albert pour G5? Ouais, bah oui. À l'Albert pour G5. Oui, bah oui. Bah on espérait que ce soit les BF là. On a eu un retour de Bello Betty. Si tu veux. Moi, d'un côté, ça va, j'ai pas trop me plaindre, j'ai pu la récupérer. Donc... Voir le Rio aussi, ça me fait plaisir. Ouais, pas mieux. Pas mieux. Ça me fait kiffer. C'est le premier qui a inauguré le thème des excellents. Du coup, oui, bah je pense que Tesoro, du coup, on va le laisser là, il est bien. Ensuite, on va enchaîner Nami Red. Nami Red, bon, bah, c'est un peu comme Soba, hein. Elle peut être super intéressante. Et bon, après, c'est un peu moins bien que Soba parce qu'elle a pas de bouclier, pas d'esquive qui lui permette de caster son invisibilité. Donc, je pense que ça part dans les corrects. Dans les corrects aux côtés de Reiju, je pense, on est pas mal. Vous en pensez quoi ici? Yo, Marco, comment ça va? Shang-Chim Red égale vrai counter de Roger. Oui, c'est vrai. Il y a déjà des counters purs qui sont déjà présents. C'est sûr. Ensuite, Usopp Red. Pour toi, c'est qui et quand les prochains BF et SBF? Bah, prochain BF, ça sera. Bah, là, on a les dates. Attends. Hop, je pose Usopp Red là. On le récupère juste après. Les dates. Il finit quand le portail? Il finit le 28. Donc voilà, prochain BF c'est le 28. Et il y a petite chance que du coup il continue sur Île Céleste. Et en BF Île Céleste, ah c'est vrai, il y en a un qui a fait une suggestion de zinzin. Oh là là, ça serait trop beau. Franchement, ça serait les plus beaux BF. Je sais plus c'est qui m'a dit ça. Mais si on pouvait avoir Calgara et Norland. Calgara, Norland en BF, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Sinon, après, il y a qui? Il y a éventuellement Ener. Un nouveau Ener, on va pas dire non. Après, en duo avec qui? C'est une bonne question. Peut-être un nouveau Wiper. Ener Wiper, mais cette fois-ci un vrai Wiper, 4 étoiles. On a déjà un 3 étoiles, c'est une masterclass. À voir. En tout cas, pour les nouveaux, pour les prochains BF. Après, SBF, ça sera l'anniversaire. Faudra attendre le prochain, quoi. En juillet-août, un truc comme ça. Usopp Red est vraiment pas ouf, avec tout le respect. Le pauvre. Bah, du peu que j'en ai vu, pour pas l'avoir beaucoup joué, bon oui, j'avoue que... Bah, Il one-shot quand même beaucoup d'attaquants, ça peut être assez vénère. Je pense que c'est pas correct ou fort. L'anniversaire, c'est juillet-août, je crois. J'ai un doute. N'hésitez pas à nous dire, ceux qui sont au taquet sur les infos comme ça. Je suis un défenseur des subs, je le mets en correct en ce moment. Si t'es un défenseur, tu le défends pas super bien, je trouve. Fort. Dernier fort, ça me semble plus correct. Parce que vraiment, il a un potentiel de one-shot qui est pas... Il rigole pas, quoi. Clairement, il peut one-shot tous les attaquants qui veulent avec son plus 100%, là. Il retire les effets aussi. C'est vrai qu'il peut casser les couilles à Shanks et tous les persos de ce délire-là. Usopp Red, meilleur que l'Oni. Vas-y, parce que c'est toi, je veux bien te croire. Tu l'as déjà joué un peu, gros Carmen Mou, toi, le Usopp? Tu l'as? Non, vraiment, Usopp Red, en ce moment, il me rend triste, ouais. Ah ouais? À ce point-là? Tu le mettrais devant l'Oni ou pas, Café? Je suis déçu. Ah, ça va, Yopto, arrête de te plaindre. Premier perso qui était censé counter-chance. Tu peux bien te préciser, censé. Au Community Day en mai, on a eu Yamato Hybrid, donc cette année on aura quelque chose en mai. Ah, peut-être. T'as peut-être raison, oui, c'est possible. Bon, je sais pas. Évidemment, je le mettrai juste derrière l'eau. Allez, on va le mettre juste derrière l'eau. Attendez, je me prends un petit bonbon. Sans papier, tant qu'à faire. Toutou. L'eau quand même, la room et l'anti-resto. Ouais, c'est vrai. Surtout l'anti-resto. C'est surtout ça le plus fort. Hein.
On se rend pas compte, il n'y a pas beaucoup de persos qui l'ont, mais ça carry tellement fort. Diamante, Diamante Sama. Diamante Sama. Pareil, un perso sur lequel j'ai pas beaucoup d'expérience, c'est pas me dire. Est-ce qu'on veut ça part plutôt dans les forts? Est-ce que c'est simplement correct? Yamato V4, en mai. Toujours plus de Yamato. Diamante extrêmement sous-coté. Bah, je pense qu'il est plutôt sous-coté. Oula. Je pense qu'il est plutôt. Non! Attends. Oh non, 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 normalement il retient. Dis-moi qu'il retient. Je crois qu'il retient. Ouf. Ouf, j'ai peur. Ouf. Ça va. Diamante, excellent. Bon, alors, il va au moins dans fort. Il va au moins dans fort. Et. Pense devant. À ce niveau-là, devant ou derrière un Shiryu? Rêver 2, excellent. Ouais, ouais. Effectivement. Diamanté égale surcoté. Bref, surcoté, pour dire ça, faudrait qu'il soit présent. Là, il n'est pas présent, il est inexistant. Donc, on aurait tendance à plutôt le définir comme sous-coté. Fort, après l'eau, devant l'eau. Attends, alors, l'eau? Ah ouais? Ok. Devant l'eau, allez. Fort devant l'eau, ça me va. Barbe Noire. Barbe Noire qui a bien repris en puissance. Hein. Déjà, rien qu'avec son up, il avait bien repris. Barbe Noire, j'ai envie de le mettre dans fort et en assez haut. Hein. Parce que vous en pensez, dites-moi. Tellement surcoté que personne ne le joue. Ouais. C'est juste qu'on l'a jamais. Mais vraiment, jamais vu. Mais Diamanté est intéressant. Bah, c'est vrai qu'il y a plein de persos qui sont malheureusement totalement pas invoqués par manque de hype. Et du coup, malgré le fait qu'ils soient bons ou pas, on les croise pas. Barbe Noire devant Oden, ouais, je suis d'accord là-dessus. Barbe Noire devant Oden, ça vous va les gars? Moi ça me va, hein. Personnellement, je suis d'accord là-dessus. Hein. Clairement, Barbe Noire a beaucoup plus d'impact que Oden maintenant. En plus, sa zone à tir et tout, elle va faire chier tellement de fonceurs, même notamment le Roger, donc déjà il est taillé pour. Fort top, hein. Voilà, on est bien. Allez, on enchaîne avec Belette. Belette. Pour l'avoir joué level 80, et je trouve qu'il distribue des bonnes grosses patates. Il résiste super bien contre l'équipage de Roger. Il y en a pas mal qui sont revenus du coup bah, grâce à Ray et surtout principalement Roger. On croise aussi le V1 un petit peu en ce moment. Il y en a aussi quelques autres qui traînent, je sais plus lesquels. Enfin bref, je pense que ça part dans fort. Pour moi, c'est un attaquant qui est solide et qui est très sous-estimé. En plus, si tu regardes les traits du Bullet, tous les traits qu'il a de zinzin, anti-déséquilibre, restauration des PV, résistance à outrance. Enfin, pour moi, c'est un DBF qui a vraiment le plus de traits, le plus avantageux. On va dire son plus gros défaut, c'est qu'il est élément bleu. Et comme toujours, les éléments bleus souffrent. Devant Dofi. Ouais, ça peut se jouer en vrai. Ça peut se jouer parce qu'il est plus intéressant dans la méta. Contrairement à Dofi qui lui a un petit peu de peine, même si basiquement on dirait qu'un Dofi c'est quand même un peu plus avantageux qu'un Bullet. Devant Tesoro. Ouais, voilà. Bah, on est bien là. On est bien devant Dofi. On est pas mal. À quand j'ai peut-être un gameplay Shanks vert. Bah, tiens, justement, tu peux bien me le dire. Je suis en train de. Enfin, je suis en train. Faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Il va sortir là dans les prochains jours. Ensuite, Garp. Garp, pareil, extrêmement sous-coté, hein, Garp. Il restaure tellement de PV maintenant contre les capitaines. Il résiste super bien. Il a l'avantage bah, d'être élément rouge. Il a des projections. Il a de quoi retirer les compétences ennemies. Projection sur les attaques de base aussi. Mine de rien, ça fait le taf. On le mettrait où? Je pense qu'on le met dans fort. Là-dessus, on est d'accord. Beaucoup de capitaines dans la méta. Bah oui, et ça, il y en aura toujours en plus. Toujours. Excellent, Garp. Ouais, je pense que... C'est... Et vas-y, dites-moi. Excellent. Balancé, excellent, fort ou pas? Team excellent. Il y a suffisamment de excellent, je balance un sondage. Excellent. Allez, vas-y, je fais un sondage. Que excellent, en vrai, ça se joue. Hein. La méta est avantageuse pour lui. Hein. Surtout qu'avec ses autos, il peut cancel Roger. Garp. Oh, j'ai hâte du prochain Garp. Qu'est-ce que j'ai hâte. Excellent. Fort. Ouais, c'est parti. Dites-moi tout, les gars. Si tu le mets excellent, mais BN aussi, non? C'est vrai que BN aussi, hein. Ça me va. Hein. Ça me va. Hein. Pour moi, c'est viable. Hein. Je pense qu'on va le mettre. Pareil, dites-moi BN, les gars. BN excellent. Est-ce que ça vous va, BN excellent? Ou 56, ou 5 votés. On a besoin de vos votes, c'est important.
Ben, pour moi, c'est un bas du excellent. Ouais, voilà, on le laisse dans les derniers de excellent. Ça peut être pas mal. Surtout qu'en plus, ces deux compétences permettent de gérer Roger, plus d'enfonceurs. Il gère aussi pas mal d'autres persos de la méta. Il peut emmerder un petit peu Yamace. Déjà, son invincibilité, c'est une compétence qui est trop cheatée. Ils n'ont aucune compétence avec une zone autant grande, avec de dégâts aussi bons. Pareil, il y a beaucoup de détenteurs de pouvoir dans la méta actuellement. Fort, fort. Ah, attention, team excellent, réveillez-vous, hein. 46% pour excellent, 54% pour fort. Pour l'instant, il va partir dans fort, hein, le. Puis après. Et après, on verra pour Barbe Noire. Alors, même si je pense Barbe Noire, excellent, c'est pas mal pour lui. Bon, bah, on va le laisser en top 1, je pense, hein. BN, pas mal, contre Roger qui surpeuple la méta. Donc, excellent, ça me va, perso. Oui, voilà, c'est ça, pareil. Pareil, pareil. Puis niveau dégâts, franchement, il est toujours impressionnant. Hein. Son plus 200% de dégâts sur les détenteurs de pouvoir, ça fait toujours du très très sale. Hein. Et 80 à peu près, il est toujours très fort. Bah, et le son rework, enfin son rework. Son petit boost a pas mal aidé. Ah, attention, la team excellent qui tente une petite percée. 48-52. 54 votes. Garp sur côté maintenant, très bon. Je pense que tout le monde ne le joue pas ou ne l'a pas. C'est vrai que bah, y a beaucoup de persos. Enfin, beaucoup de gens qui n'ont pas les persos, forcément. Surtout certains comme Garp, ça c'est des vieux persos. Enfin, certains déjà de base, quand ils sortent, ils sont pas invoqués. Et après, ils ont des portails qui reviennent tellement peu régulièrement que bah généralement, ils sont toujours pas invoqués, quoi. Donc bien souvent, il y a des persos, tu les vois pas dans la méta. C'est même pas tant parce que ils sont mauvais. C'est surtout parce que bah. Ah, c'est la team 51. Excellent qui se réveille. Mais c'est surtout parce que bah voilà, personne n'a envie de les invoquer, tout simplement. Vas-y, bah du coup, hop, allez, on va trancher. On va le mettre derrière Barbe Noire, je pense. Et on est comme ça, on n'est pas trop mal, je pense. Allez, on enchaîne. Ça fait une petite heure là. Et il nous en reste encore. Bon, il nous reste encore pas mal. Ça va faire ça à peu près 2 heures, je pense. Ensuite, Roger V1. Roger V1, est-ce qu'il part dans fort, dans excellent? Roger V1, ça met des claques. Hein. Garp, je l'utilise avec les projections, ça dégage Roger. Bah oui, c'est ça. Ça le dégage bien, bien comme il faut. Et en plus, même niveau dégâts, hein. Il a 30% de dégâts améliorés contre les caps, ça fait pas de mal. Si tu lui mets un bon petit 70% d'attaque, à mon avis, il met des claques. Hein. Garp, juste grâce à son match-up contre G5, il mérite excellent. C'est vrai, t'as raison. Contre G5, il est parfait. Il est parfait. Excellent. Bon, allez, parfait. Nickel, Roger. Excellent devant Ray, ah ouais. Derrière BN. C'est vrai que devant Ray en soi, ça me va. Hein. C'est vrai que c'est. Ça reste au futur Roger. Hein. Il met tellement des patates de forain. Autant il est perdu à cause de certaines méta, mais là maintenant, bah, tous les nouveaux ils sont vulnérables au one shot, hein, clairement. S'il arrive à bien stacker, placer des bons Kamusari, il va faire le ménage. Hein. Roger V1 excellent, pas de débat, il dire. Ou bien le Roger V2. Aussi, oui, c'est vrai. Aussi, aussi. Allez, on enchaîne. Sabo. Ah, Sabo, ça, c'est intéressant. Je pense on le met fort. Je l'ai rejoué level 80 récemment et franchement, j'étais surpris. Il est super intéressant dans cette méta, je trouve. Fort, mais ouh, presque, j'ai presque envie de le mettre dans excellent. Vous en pensez quoi? Il y en a un qui joue un petit peu Sabo. Arrêt, bien joué. Supérieur à Roger V1, bien joué. Oui, bah ça, c'est clair. C'est indéniable. Premier fort devant Kata. Allez, ça me va. Même. J'aurais presque envie de le mettre devant Marco. Hein. Parce qu'il faut pas oublier que quand il a son effet pyro, il a 50% de réduction des dégâts subis, l'anti-malus, des dégâts qui sont énormes, des bonnes restaurations des PV. Il a du lourd. Hein. Il a du lourd. J'aurais envie de le mettre devant Odin. Hein. Bah, j'ai pas Sabo 100, mais je pense très sincèrement, Sabo 100 avec un set de réduc 1, le set full réduc 1 quand tu te fais taper là, il y a moyen de faire un truc de zinzin. J'avoue que tout le monde enlève son effet. Bah, il y en a beaucoup moins des persos qui retirent les effets. Autant pendant une période, il y en a eu énormément, mais là, toute la méta récente, Roger, Shanks, Yamace, Blanchounet et compagnie, il y a personne qui retire les effets. Il y a que les anciens. Donc, oui, contre les anciens, il est toujours un peu galère. On va dire, on va le mettre derrière Odin, on va dire vis-à-vis de ça. Ensuite, on va enchaîner avec celui-là, c'est le bleu. Hein. C'est le bleu, on est d'accord, hein, c'est Shanks bleu.
Oui, sabot sang, il est incroyable. Tu l'as, Belette, le sabot? Sans son effet pyro, il est pas ouf. Il y a pas mal de persos qui enlèvent les effets. Bah, sans l'effet pyro, il reste toujours avec de bons dégâts, mais c'est sûr, c'est plus le même perso. C'est plus le même perso. Excellent, ça, oui, je pense. Chance bleue, on va le caler dans excellent, hein, clairement. Et devant Roger, derrière Roger, pour moi, c'est un devant Roger. Hein. Parce qu'un champ qui maîtrise un minimum correctement, une fois qu'il a des stacks, il atomise tout le monde. Hein. Roger, le souci, c'est que s'il a une mauvaise gestion de sa compétence 2, c'est pas aussi safe qu'une contre-attaque qui va à la fois restaurer des PV et potentiellement despawn plein d'ennemis. Et encore le contre-vaille, voilà, c'est ça. On est d'accord, le contre, ça joue tellement. En dessous du vert, depuis Roger. Bah, justement, hein, lui aussi, hein, il est plutôt adapté contre Roger V2. Il peut lui mettre des bons gros one-shot. Hein. Il a des bons dégâts, il a anti-étourdissement, il a la restauration des PV. Il est tout aussi bien qu'un Roger. Hein. Chance clairement au-dessus de Roger si on parle de potentiel skill. Derrière Roger, bah attends, vas-y, on va faire un petit sondage. Hop, c'est parti. Chance bleu. Schnax bleu. Vas-y, c'est bien, ça me fait. Devant Roger. Est-ce qu'il est devant ou derrière Roger? Dites-moi tout. Toum, toum, toum. Le vert est craqué contre Roger. Bah, on va y venir au vert. Mais ouais, c'est vrai que le vert, c'est toujours quelque chose, quoi. Ah! Du coup, Garp, il a fini à 50% fort. Bon, on va le laisser dans excellent. Voilà. Le Z. On va y arriver, les gars. Garp est quand même en excellent. Ouais, on va le laisser. C'est la petite exception. À 1% près, vas-y, ici. Juste BN est meilleur que Roger et Chance dans la méta, non? Bah, il va avoir des meilleurs utilitaires, mais niveau dégâts, il mettra jamais autant de pression. Eux, ces deux-là, ils sont capables de mettre une pression de zinzin. S'ils sont bien dans leur game, ils lavent tout le monde. Du coup, bah, on va enchaîner. Oh, attends. Tiens, j'ai un doute. Oui. Allez, God Usopp. Il a retrouvé un petit peu en puissance. Fort ou correct? Team Usopp. Pocto, café. On le met où celui-là? Entre de très bonnes mains, le champ que c'est God tier, excellent minimum. Ouais, on est d'accord. On est totalement d'accord. Avant Franky? Devant Franky? Usopp fort. Allez, on va le mettre juste derrière le raid. On est bien. Et on enchaîne. Allez, avec Akainu. Bon, bah Akainu, je pense que ça go dans les excellents, hein, pour moi. J'ai même envie de le mettre devant Chance Bleu. Hein. Juste à cause de Roger, tout simplement. Parce que bon, autant Chance Bleu, il va devoir faire preuve d'un peu de skill pour gérer son match-up Roger. Autant Akainu, il peut débrancher son cerveau, avoir aucun skill. S'il appuie correctement sur sa compétence 2, logiquement, il devrait atomiser Roger. Donc, bon. Plus, il va atomiser encore pas mal de persos, même contre du G5 et pas mal de persos à côté. Hein, il reste encore assez chiant. Yamei, c'est pas parfait. Alors, anti-pourcentage de PV. Excellent devant Shanks. Excellent, mais derrière Shanks. Fort derrière Luffy. Plutôt derrière ou devant Shanks? Allez, dites-moi dans le chat. Très fort contre Roger, mais bébé, Yamis le plie en deux. Bébé. Ouais. Effectivement, bébé, Yamis. Bah, Yamis, c'est un petit peu. On va dire, une fois qu'il va avoir ses 50% de bonus d'attaque, il pique. Hein. Il pique, franchement. Hein. Dès qu'il a ses 50%, franchement. Yamis, il a plus besoin de ses pourcentages de PV. Il a plus qu'il n'en faut. Devant. Bon, allez, hop, on le laisse devant. On enchaîne avec Monet. Bon, du coup, j'ai toujours pas eu le temps de la ressortir. Peut-être on ira la jouer un petit peu tout à l'heure, justement, pour tester, voir ce que ça vaut. Correct, je pense. Correct au côté. Correct à côté de qui? On la met où dans correct? Sondage devant, derrière, Shanks. Attends, vas-y. Lance le son. Ah oui, tu veux dire hop, je vais refaire pour la 4, démarrer hop.
Ouais, hop. Je vous fais un petit sondage, les gars. Dites-moi, pour le Akainu, on y revient rapidement. Est-ce qu'on le met plutôt devant Shanks ou plutôt derrière Shanks? Monet, fort de loin. Vous voulez qu'on la monte? Mais dans les derniers. Parce que c'est difficile de la mettre un peu plus haut, je trouve. C'est difficile. Fort, à la limite, pourquoi pas. Vous avez l'air d'être d'accord pour. Ah oui, oh, bah finalement, il y a pas mal de dernières chances. On va peut-être descendre à Kainu d'un spot. Devant Diamanté? Ah, quand même. Plutôt derrière le Onigashima. Ah, j'ai pas envie de la mettre devant le Oni quand même. À la limite, devant les Usopp. Pourquoi pas, je peux le concevoir. Mais après, c'est compliqué. Monet derrière Franky. À la base, j'aurais plus mis Monet derrière Franky, j'avoue. Mais ça. Après, c'est vrai qu'elle a un potentiel qui peut emmerder énormément Roger. Hein. Si elle met son mur correctement, Roger, il va tout simplement pas pouvoir capturer. Monet top correct, mais elle prend trop cher. C'est vrai que niveau résistance, elle est exceptionnelle. Puis il faut qu'elle casse les gels pour restaurer des PV, il me semble. Dans la méta actuelle, les persos bleus, je les trouve vraiment en retrait. Il y a trop de chances vertes et G5 avec les rouges. Genre Raikai et BM, je pense qu'ils sont quand même mieux actuellement. Bah c'est vrai que les bleus sont bah, comme toujours en voie de disparition malheureusement. Il faudrait qu'ils nous ressortent des top tiers BF bleus tout simplement pour qu'on ait un petit retour des bleus. Mais son mur est vraiment bien, la compétence revient vraiment vite. Ouais, surtout en plus depuis le petit réajustement des personnages équilibrage qu'on a eu sur elle, c'est devenu beaucoup plus intéressant au niveau réduit. Bon, on va laver ça, c'est pas mal. Et on va enchaîner avec Yamato Rouge. Yamato Rouge, je pense que le plus logique c'est de la mettre soit devant, soit derrière Oden. Peut-être devant, étant donné qu'il y a quand même une petite présence des éléments verts un peu plus. Vous en pensez quoi? Fort devant Oden ou derrière Oden? Et du coup, hop, ouais. N'hésitez pas à voter les derniers, ce retardataire. Derrière Shanks ou devant Shanks pour le Akainu? Là pour l'instant on va changer Akainu, on va le descendre d'une place. Hein. Clou il est pas top tier. Bah attends, on l'a pas encore placé Clou. Après Oden en vrai. Oh Corée devant, devant, devant. Derrière Marco carrément. Ah, c'est serré encore. Hein. On va refaire un petit sondage pour elle aussi. Allez. Encore 30 secondes et je coupe le sondage. Hein, et Akainu va se retrouver derrière Shanks, les gars. Dépêchez-vous. 54-46. Attention avec les spoils, les gars, s'il vous plaît. Pas de spoil. Elle est où, la team bleue? C'est vrai que là, il y a juste Ray. Sinon, il y a Bullet, Dofi. Non, ils sont un petit peu présents. Un petit peu présents. Bleu en voie de disparition, Kiglo, bah les curés, bah à part eux qui sont extrêmement présents, ça c'est clair. Allez, derrière Shanks, on met fin au sondage, et hop, toi tu descends d'un spot, et maintenant on va faire pour Yama, derrière Oden, ou devant. Quand t'as pas de projection, ni de malus contre Yama, c'est frustrant, tu la laisses cap. Ouais, effectivement, il n'y a pas grand chose à faire, malheureusement. Ça reste toujours, bon, on va dire, certains, ça reste broken contre certains persos, mais maintenant il y a tellement de persos qu'on projection que bah, c'est pas parfait non plus. Malgré l'équilibrage du champ, s'il refait le perso, je trouve que son griffon reste trop facile à esquiver, mais reste quand même meilleur qu'Akainu. Bah, le griffon est quand même, ça reste, c'est pas le griffon de l'époque. Quand ça touche, ça fait pas semblant. Il y a moyen de décalvoque, Tony. Bah, comme je l'ai dit au début du live, café. Si je prends des gens en voque, déjà après ça va s'étaler un petit peu plus. Ça va prendre plus de temps. Le but c'est pas non plus de faire une tier list qui dure 3 heures. Et puis c'est surtout après, c'est que c'est surtout les avis des gens qui vont être dans la voque qu'on va avoir en particulier. C'est eux qui vont un peu plus déterminer la tier list. Alors que là, comme ça, on a vraiment le chat quoi. Devant Oden, devant Oden. Ouais, bon, voilà, là, il n'y a pas de débat, on est d'accord. Yamato rouge devant Oden. Et on va enchaîner avec Luffy SBF bleu. Luffy SBF bleu qu'on peut balancer dans excellent facilement, je pense.
Après, j'ai toujours un peu de mal avec ses compétences qui restent trop lentes d'animation et du coup, bah, tu peux pas mettre une pression comme avec n'importe quel perso. T'es obligé de jouer trop autour de tes autos. Est-ce que c'est devant un AK? Derrière un AK? L'invincibilité de Oden et son anti-malus carry, mais je sais pas, parce que offensivement, Yamato est au-dessus. Bah après, c'est justement, voilà, si on raisonne sur la méta actuelle, Yamato va trouver beaucoup plus facilement des dégâts. Il y a énormément de Shanks VR, il y a énormément de G5, il y a encore beaucoup de persos VR en général qui traînent. Devant un K. Devant un K? Allez, devant un K, ça me va. Ensuite, on va enchaîner avec Queen. Bon, Queen, ça, je pense que ça part dans correct. Correct, on le met où? Correct loin, correct devant Sento. On le met dans le fond. Peut-être dans le fond, hein, en vrai. Hein. Excellent, et devant AK. Le fil bleu, il me file encore des cauchemars. Cette saloperie détecte un peu de lag. Ouais, c'est vrai. Effectivement, des fois, il y a des petites latences, là, les petites animations qui se déclenchent pas. Et bim, tu prends ta rift, c'est finito. Derrière Judge. À fuir. Bah, pas totalement à fuir, hein. Pour l'avoir ressorti un petit peu, justement, pour tester contre Roger, il est bien, hein. Il a anti-malus, des projections. Il a des malus aussi, il me semble. Oui, il a un malus. Enfin, il a des petits atouts. Il a des petits atouts. Donc, c'est pas non plus dégueulasse. Je pense qu'il est bien, là. Sous-estimé. Je suis d'accord, exactement. Il est sous-estimé, parce que, bah, voilà, c'est un perso qui est pas joué par personne, mais... En plus, sa compétence... Ouais, un truc super intéressant, c'est que, bien souvent, la compétence sur un défenseur la plus forte, c'est la compétence 2. Sauf que pour lui, ça va être la compétence 1. Et là où ça fait toute la différence, bah, c'est au niveau des sets de pièces. Faire des sets réduc 2, c'est assez compliqué. Faire un set réduc 1, bah, tu lui mets le set à 6% de réduc 1 à chaque fois que tu te fais taper. Bah, en fait, tu vas pouvoir spammer le dino tellement facilement. Et donc, bah, envoyer des brachios, pas mouda! Il a le bouclier. Il a le bouclier, la capacité à initier son combo d'invisibilité avec son esquive parfaite. Alors que Nami, elle est obligée de balancer sa compétence pour être invisible. Et du coup, bah, tu vas te faire anticiper beaucoup plus facilement. Alors que tu tapes une bonne esquive, bah là, tu crées tout de suite plus le trouble. Est-ce que tu as envoyé la compétence? Est-ce que tu l'as pas envoyée? Est-ce que où tu vas être en termes de placement? Donc en fait, il a beaucoup plus de possibilités et il va mourir beaucoup moins facilement que Nami. Même si Nami, elle va traverser beaucoup plus longtemps, enfin beaucoup plus vite des longues distances et rester plus longtemps sous invisibilité. Donc forcément, bah, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Perros fort derrière Kata, fort Perros en dernier. Ah ouais, fort, fort, fort. Excellent. Hein, Perros est excellent. Sous bonne méta, sans anti-malus. Bah après, il y a un truc qui me fait chier avec le Roger, c'est que du coup, j'avais pas percuté ce détail, mais il a anti-malus au-dessus de 97% de ses PV. Et c'est plutôt relou. C'est plutôt relou pour Perros, Perros. Donc bah du coup, on va peut-être plus le placer dans fort. Dans le top 1. Top 1 fort. Top 1 fort, je pense, c'est bien. Parce qu'il peut avoir vraiment... Enfin, il peut être trop trop chiant avec son effet bonbon. Une fois que t'es bonbon, t'es quasiment finito. Mais après, voilà, son contre-coup qui fait que c'est un peu difficile de le mettre dans l'excellent, c'est que s'il se retrouve contre du G5 au-dessus de 50%, Roger, quand il capture... C'est vrai qu'il peut pas cancel Roger sur la capture aussi. Ouais, quoi qu'on a une projection, moi. Mais c'est pas parfait. C'est le perso le plus énervant du jeu, ça je suis complètement d'accord. Dis-moi, le nouveau vrai, il est considéré en attaque à distance ou pas? Bonne question. Attaque de long. Ouais, normalement, oui, je crois. Normalement. Ensuite, on va enchaîner avec Kinjin Ishino Shiki. Shiki, Shiki. Fort, au moins haut. Parce qu'il tape du 70%. Shiki égale pas ouf sur côté. On le met aux alentours derrière Marco, c'est pas mal ça, derrière Marco. Ça bug ou ça vient de moi? Il y a peut-être eu un petit bug, mais là, moi, je vois que ça tourne. Fais un petit F5, sinon. Ce perso est une fraude. Ah, putain, c'était qui? Je sais plus, j'avais vu des gameplays de je sais plus quel youtubeur. Level 100 et tout, et franchement, c'était... Attends, comment il s'appelle? Ah, oh, je l'ai sur le bout de la langue. Balancez-moi des noms de youtubeurs anglais. Comment il s'appelle? Enfin bref, il avait fait une vidéo sur le Shiki et on voyait que le perso il avait un potentiel de malade. Si Shiki est surcoté, il y a beaucoup de persos surcotés dans OPPR quand même. Bah ouais, c'est ça. Bah je pense qu'on va le laisser derrière Marco, c'est pas mal.
On est un peu sur le même type de perso, et là, clairement, voilà, c'est le style de perso qui a un avantage de zinzin. Son Zampa, il se réduit tellement rapidement, et il a les possibilités d'anéantir Roger, logiquement. Sioux, le youtubeur. Non, c'était pas Sioux. C'était pas Sioux, c'était un autre, je sais plus son blaze. Je sais plus. Rage, c'était peut-être Rage. Non, c'était pas Rage. Non, c'est un autre, un ancien. Un ancien d'époque. Comment il s'appelle? Qui brûle le jeu là, gars. Je sais pas combien de milliers de games. Comment il s'appelle? Putain. Non, c'est pas Soul. Je m'en souviens de rester Soul. Ça freeze ton live des fois, ouais. Ouais, je sais les gars, c'est ma connexion, elle est encore un petit peu bancale. C'est le dernier live où ça va être bancal. Après, ça sera connexion fibrée, il y aura plus de soucis. Aucun. Non, c'était pas Soul, les gars. Peut-être ça va me revenir. Ensuite, on va enchaîner avec. Ah, ça y est, le voilà, le fameux Z12 Sensei. Bon. Je pense qu'il n'y a aucun débat. On le met dans excellent, on peut le mettre devant. Pas PNG non plus. Je m'en souviendrai, les gars. C'est un qui publie un peu moins régulièrement. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je sais plus. Je sais plus, ça va pas me revenir. Hein. Beast, God tiens. Il y a beaucoup de Zoro, oublie pas. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de Zoro. Mais il y a aussi beaucoup de Roger. Est-ce qu'il y a plus de Roger ou est-ce qu'il y a plus de Zoro? Avec toutes les projections, c'est pas mal. Et puis en plus, c'est le seul qui a projection en deux séquences. Donc qui est plus rapide à pouvoir virer Roger et en plus prendre de très bons dégâts. Il est dans nos cœurs, mais il a mal dit. Il a une période où oui, c'est effectivement. Ça a pas du... Non, pas Roman Plus non plus. Il y a une période où il a mal vieilli, où il était injouable, mais là, pareil, bah, depuis la toute nouvelle méta, on va dire, de perso qui retire pas les effets, qui sont vulnérables aux projections et compagnie, il a bien bien repris. Hein. Beast? Non, ça me dit, non, c'est pas Beast. Un peu plus de roture. Attends, je vais faire un petit. Un petit sondage pour le ZSMC. Alors, est-ce qu'on le met devant Shanks ou derrière Shanks? Ou alors encore plus loin? Défenseurs qui ont pas 150% de restauration, je trouve ça compliqué. Ah, c'est pas le trait le plus, on va dire, le trait le plus important pour un défenseur. Le number one, c'est anti-projection. Le deuxième le plus important, c'est anti-malus. Yo, comment ça va, Krish? La forme? Bon, va tranquille, où et toi? J'aime bien ce perso, mais il vit trop mal. Ah, ça va, il a, comme je disais, il a repris. Il a repris. On peut pas se plaindre, même si oui, bah, on peut même pas dire qu'il est mal vieilli, puisqu'il a pas eu de DR. Ça a duré 15 minutes le temps qu'il ait pu être jouable, et puis après, il était injouable. Arrête de mentir sur les votes, Zephyr est clairement au-dessus de Shanks 2013. Ça veut peut-être. Ouais, mais peut-être là, puisqu'il y en a pas mal aussi qui disaient derrière Roger. Du coup, on va enchaîner avec la suite. Uta-chan. Bah, Uta-chan, enfin, ça part dans les excellents. Excellent. Ouais. Je pense qu'il reste toujours dans les excellents. Hein. Je pense qu'on la met devant un Ray. Il y en a même certains qui auraient envie de la mettre devant un Zephyr, je pense. Alors, comme ça, il y a des complots sur les votes maintenant. Exactement. Il y a des haters de Zephyr là. Ils ont pris des multi-comptes et ils sont venus voter. Devant Z? Ah ouais, je m'en doutais, je m'en doutais. Devant BN? Devant BN ou devant Z? Parce que ça reste une valeur sûre. Hein. Elle traîne bien dans le temps, son malus reste toujours viable, elle a toujours d'excellents dégâts, petite restauration des PV, son boubou, bien évidemment. Putain, devant AK? Ouais, non, peut-être pas autant. Peut-être pas autant, peut-être pas autant. Surtout qu'AK, il est trop capé en ce moment, tu peux pas, c'est difficile. Toulou. Allez, dites-moi tout. Arika est un peu vieux, ses spés sont facilement esquivables. Ouais, mais faut pas oublier un détail, c'est comme Claw. S'il te met une auto, t'as plus d'esquive. Et oui, c'est la base de UAK. Et après, derrière, il t'enchaîne avec une compétence 2 et t'es mort. Ça, le souci. Et là, contre Roger, il est vraiment trop OP. C'est vraiment l'un de ceux qui va pouvoir le plus ou le moins respecter Roger. Salut Calvin, tranquille et toi?
En même temps, on peut pas invoquer sur Z quand il y a Big Mom 1800 diamants, c'est sûr, c'est sûr. Puis en plus, Z est toujours. Enfin, il a pas dû revenir beaucoup, hein. Il est revenu une fois au moins Z. Si, il a dû revenir au moins une fois quand même. Devant. Oh, 50-50. Allez, votez, 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 les gars, on a besoin de vos votes. Si, il est revenu. Ouais, ouais, au moins une fois quand même. Mais bon. Ça serait bien que quand ils nous font les retours de SBF, ils fassent comme Roger, quoi. Faire revenir des SBF pas cher. Parce que Roger, 750 diamants, c'était pépites, hein. S'ils pouvaient nous faire ressortir un Zephyr à 1000 diamants, j'en sais rien, moi. Des trucs comme ça, il y a plein de SBF qui rentreraient dans la méta, hein. S'ils étaient plus faciles d'accès. Mais là, 3000 diamants, t'as pas envie d'envoyer 3000 diamants. Je suis sûr, là même, actuellement, sur Shanks, il y en a qui hésitent à envoyer 3000 diamants. Ils doivent se dire, est-ce que ça vaut le coup, vraiment? Parce que, bon, bah voilà, c'est fort, mais c'est pas non plus... C'est pas la dinguerie, quoi. J'ai jamais vu AK dans le Belcanto. Bah c'est normal, il a anti-malus. Devant AK, devant AK. Oh là 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 là, les gars, les gars, les gars, les gars. Il y a des partisans de Utah. Ah, elle, par contre, elle en a des partisans. Ah, il y a du monde pour Utah. Qui est le plus fort entre Shanks vert et l'autre Shanks bleu pour toi? Actuellement, il y a avantage quand même au Shanks vert. Parce que, bon, il a plus facilement de la mobilité et des dégâts. Mais sinon, basiquement, je trouve que c'est le Shanks bleu. Mais après, faut vraiment bien maîtriser le gameplay. Devant AK, devant AK. Bon, bah allez. Utah qui va aller go devant AK, alors. Ensuite, on va enchaîner avec Ben Beckman. Ben Beckman, c'est... Mais dans fort, j'imagine. Il va falloir parler sérieusement de Sanjioni. Ouais, j'avoue, c'est un cas particulier, hein, Sanjioni. Fort, 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 et on le met à peu près... Ouais, je le trouve plus efficace qu'un Kaido, hein, qu'on soit d'accord. Soit on le met là, soit on le met devant là. Devant Kaido? Devant Diamante? Oh ouais, non. Non, 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 non. Tu l'envoies loin, là. Tu l'envoies loin. Hein. Beckman, c'est un faux défenseur qui a des dégâts d'attaquant. Hein. Il a la capacité d'intimider les persos, c'est abusé, c'est bien un cancer. Hein. Derrière Kaido? Enfin, limite derrière Kaido, si vous voulez. Devant Sabo. Voilà, là, il y a du respect. Tiens, on va faire un petit sondage pour lui. Démarrer le sondage. Hop, bim, bam, boum, bec. Du coup, bec, est-ce qu'on le met plutôt devant Sabo ou plutôt derrière Kaido? Comment ça, Beckman derrière Kaido? Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aurais tendance à vouloir le mettre devant Sabo. Parce que il a trop de dégâts. Il a trop de dégâts, c'est abusé. Hein. Il a un ignore la DF, hein, 50% de dégâts infligés supplémentaires quand il met l'intimidation. Et en plus, ils peuvent pas te taper. Et t'as des bonnes restos. Et en plus, t'as réduction des malus, 80%. Devant Sabo, 59%. Voilà, voilà, vous me faites plaisir. Respectez un peu le GOAT. Mais c'est pareil, on le voit pas beaucoup, mais... Attention. Et en plus, là, il n'y a pas l'excuse de pour lui, oh ouais, on l'a pas récupéré. Vas-y, il y a tellement de milliers de personnes qui ont invoqué Shanks qu'il y a des milliers de personnes qui ont récupéré Beckman. Ils l'ont jamais joué. Prends la poussière. L'arrivée du nouveau Roger a fait réapparaître la méta relou de Shanks et Luffy, ça pousse le seum, c'était mieux juste avant ça. Oui, oui et non, parce que en un sens, avant ça, c'était juste eux. Au moins maintenant il y a eux, mais en contrepartie à côté il y a quand même des Rogers, il y a quand même des Yamais, il y a quand même des Blanchounets, j'arrive à croiser quand même pas mal de persos. Même si on devait faire les plus présents, je crois que c'est Roger Blanchounet. Hein. Ou peut-être G5, ça se bataille un peu. Mais Shanks, bon il y en a, mais c'est plus spammé non plus. Hein. Même là il y a le portail, il est pas spam. Devant Sabo, allez, bec, respecté, merci les gars, on le met là. On enchaîne, Shanks Bear. Shanks vert, ça pardon, excellent. Devant Shanks bleu, j'imagine. Shanks bleu, dites-moi. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça va être un choix assez facile, ça, logiquement. Meilleur méta. Bah, perso, je trouve... Bon, il y a des games, ça dépend. Des fois, t'as trop de games anciennes méta, donc ça bouge pas. T'as pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de changements. Mais quand il y a un peu de tout, franchement, ça fait kiffer. Ça fait kiffer, parce que c'est rare d'avoir des games qui se suivent et se ressemblent où t'as 100% de fois les mêmes match-up. Excellent, God tier. Ah, c'est vrai qu'on a pas mis. Ouais, c'est vrai, je suis en train de capter. On a mis personne en God tier. C'est vrai que lui, on peut le mettre dans God tier. Il va inaugurer le rang God tier. Tout à fait, je suis d'accord. Vous en pensez quoi? J'en ai vu 2, 3 qui ont dit God tier. D'autres qui sont d'accord, God tier.
God tier à l'heure actuelle, soyons honnêtes, même si je n'aime pas voir. Allez, on est tous d'accord là-dessus. Allez, on enchaîne. Yasop. Yasop. Yasop que j'aurais tendance à vouloir mettre dans fort. Voire excellent selon ta maîtrise. Mais c'est vrai qu'il y a quand même l'anticap. Hein. Pour l'anticap, je pense que si on met garde dans excellent, on doit mettre Yasop dans excellent. Hein. God tier. Ouais, God tier avec une très très bonne maîtrise, j'imagine. Mais là, si c'est pas le cas. Fort derrière Bankman. Ah mais il y a l'anti-capture quand même. Il y a l'anti-capture. Hein. Sur ces deux compétences, plus sur l'esquive parfaite, anti-capture c'est le truc le plus relou pour Roger. Et le sien dure 45 secondes. Il est ultra long. Excellent, clairement. Moi je pense que. Bon, je n'ai même pas besoin de faire de sondage. Il faut le respecter un minimum. C'est pareil, lui aussi il est trop sous-estimé parce qu'on le voit pas. Mais si tu as une très bonne maîtrise du Yasop, c'est l'un des meilleurs persos du jeu avec le Ré. Hein. Très clairement. Hein. Et. Autant, et encore, autant avant, peut-être le Ré, c'était le top 1 vraiment de très très loin. On va dire si t'étais vraiment, au niveau du skill, t'arrivais à atteindre les sommets. Mais là, avec le temps, c'est devenu Yasop, en fait, finalement, le véritable top 1 impossible à buter. Parce qu'il peut faire vraiment des dégâts encore plus que Ré sur ses esquives. Et surtout, il est beaucoup plus taillé pour affronter tous les nouveaux persos de la méta, contrairement à Ré, qui a un petit peu plus de mal, déjà. Derrière Zed. Derrière Z, je suis d'accord. Que voilà, comme je viens de le dire, je trouve qu'il a un peu plus d'impact qu'un Ré. Donc, surtout qu'en plus, rien que de par l'anti-capture, même sans être un démon de l'esquive, t'as moyen d'emmerder énormément Roger. Et comme Roger, ça fait, on va dire, Roger, c'est 40% de la méta actuellement. Faut lui mettre le malus que si Roger est en retard. Bah non. Si il est dans le tas, Roger, il annule les malus seulement d'immobilisation. Donc, anti-capture, il va quand même manger. Anti-resto, c'est pareil. Ensuite, on va enchaîner avec Treble. Treble, le tas de morts, on le met où le tas de morts? Je le joue jamais, je sais pas, j'ai aucune idée de ce qu'il vaut en ligue, concrètement. Le peu de fois où je l'ai sorti, bah, je voulais faire une session gameplay, j'ai. J'ai dit, vas-y, laisse tomber, ça me saoule. Je joue même pas. Fort. On le met où devant Beck? Je suppose qu'il est quand même, ou alors dans les forts, côté de Yama Oden. Treble, excellent. Excellent, ça me choquerait pas, parce qu'il a la capacité de retirer pas mal de fonceurs de la capture. Puis son effet boubou, bon bah c'est boubou quoi. Treble excellent, on va faire un sondage pour Treble. Allez. Est-ce qu'on le met plutôt dans excellent, ou est-ce qu'on le met plutôt dans fort? J'ai la poisse avec son épée, je m'ai fait toucher H24. Aïe, oui, c'est ça le problème. Si t'as de la chance, le personnage c'est du grand n'importe quoi, c'est un cheatcode. Mais si t'as pas de chance, bon bah tu vas te dire putain, bah en fait c'est juste un défenseur de base, classique, basique, simple, simplement. Ah, 37%, ouais, ça part quand même majoritairement dans le fort. J'ai vu beaucoup de devant Beckman, du coup je pense qu'on va le mettre devant Beckman. Hop, voilà, devant Beckman on est pas mal. Et on va enchaîner avec Drake, donc Drake bleu. Drake bleu, il y a quand même pas mal de persos équipage Kaido. Et Kaido hybride, King V1, King V2, il y a qui d'autre? Je pense qu'on le met dans correct. Correct devant Pudding, j'ai tendance à vouloir le mettre, parce qu'il a quand même 50% de bonus d'attaque, des restaurations de DPV, il a les moyens d'être démoniaque même, j'ai envie de le mettre aux côtés d'un Ray. Que c'est potentiel, voilà, potentiel offensif très très violent. Et il a aussi un ignore la def, donc on peut même mettre devant le Ray, je pense. Correct de devant le Ray, vous êtes d'accord? Derrière Jaws? Ouais, derrière Jaws plutôt. Allez, on le met derrière Jaws, pas de souci. Ensuite, on enchaîne avec le King V1. Ah, King V1, il a bien perdu. Hein. Instinctivement, j'ai envie de le mettre dans fort. Devant Yamato Oden, même si l'apparition de Roger lui a fait énormément de mal, puisque du coup, c'est plus lui qui a l'avantage du mid, c'est plus le God tier au mid. Il a de la concurrence, mais dès que Roger est pas là, bon bah c'est lui le god tier, donc je pense qu'on peut le mettre quand même dans fort. Excellent, toujours en dernier. Allez, je vais faire un petit sondage pareil pour lui. On va voir, est-ce que vous préférez qu'on le mette dans excellent en dernier ou plutôt dans fort en premier. King. Excellent. Fort. Allez, c'est parti. Dites-moi tout. À part pour prendre le mid en début de game, il sert à rien. Ouais, non, faut pas se dire ça. On pourrait se dire ça, mais
Ça va beaucoup dépendre des games en fait. Si jamais tu prends le mid et que derrière tu te fais atomiser, oui, t'auras pas eu beaucoup plus d'impact. Mais si derrière tu arrives à t'en sortir et que tu joues bien niveau placement, tu fais pas n'importe quoi avec ta compétence à appui. C'est un perso qui met tellement de pression. Enfin, il est ultra chiant, on se rend pas compte. Puis une fois qu'il est sur les captures, si t'as pas de séquence d'attaque, bah t'es foutu, c'est tout. Donc franchement, ça reste toujours voilà, un perso en termes de capture pure qui est voilà, 65%. Bon, on va le mettre dans excellent dans les derniers alors. C'est vrai que ça reste quand même plus logique. Ensuite, on va enchaîner avec Big Mom. Bon, bah, Big Mom, God tier, hein, on est d'accord. God tier devant Shanks, derrière Shanks, dites-moi. C'est un enfer, King, si t'as pas de séquence. Ouais, c'est ça. Excellent avec Garp et BN. Et puis surtout qu'en plus, il y a plein de persos qui ont pas de séquence. Ils vont être de bons persos, mais par exemple, je pense que c'est tout bête. Bello Betty, bah, c'est chiant. C'est chiant. Devant, ouais, devant, on est d'accord, hein. Ça reste la Mamar, elle est ultra violente, très résistante encore. Kaido hybride, peut-être plutôt dans excellent. Devant, derrière. Oh. Ouais, il y a plus de devant que de derrière, quand même. Shanks démarre Roger, mais elle gère plus ou moins tout elle, ouais. Bah, elle gère aussi Roger, hein. Elle l'emmerde, hein. Pas mal. Puis c'est surtout, voilà, restaurer les trésors rapidement jusqu'à 150%. Il n'y a aucun perso qui peut surclasser ce trait pour l'instant. Il n'y a, ouais, y a personne qui fait ça. Big Mom fait rien dans cette méta, faut arrêter. Bah si. T'inquiète, qu'elle se débrouille un minimum. Justement, elle gère bien le Roger. Et elle restaure pendant qu'il est là. Ça aussi, c'est grave fort. Top 1 excellent. Allez, top 1 excellent. On est d'accord, c'est pas trop mal ça. Zoro Onigashima. Top tier devant Mama. Vous en pensez quoi? Devant, derrière Mama? Et en plus, Mama, elle est polyvalente. Ça veut dire que si jamais sa team gère pas niveau capture, elle peut se démerder toute seule. Hein. Retour au spawn dès que je la vois. Oui, non, mais tu joues cracker. tu dis ça. Devant. Ouais, on est d'accord. Zoro, c'est le GOAT. Il a tellement repris en puissance là. Enfin, c'est le SBF ultime, t'es. Genre, il va traverser le temps dans 10 ans, Zoro, il sera toujours là à casser tous les nouveaux SBF. C'est n'importe quoi. Putain, il met vraiment une branlée à tous les nouveaux persos. C'est abusé. Jinbei Onigashima. Pareil, hein, difficile de se faire une idée sur lui. Hein. Il a une bonne résistance, anti-malus, anti-projection. Des dégâts qui peuvent techniquement se montrer corrects contre les détenteurs de pouvoir. Il a au moins une projection. Mais bon. On le croise jamais, quoi. Fort devant Shiki. À ce point-là, aussi haut. Fort, mais dans les derniers, ouais, moi, je l'aurais plus vu dans fort, mais peut-être un peu plus loin, tu vois. Devant un Shiryu, peut-être. Ici, là. Il a zéro resto. Si, il a des restos, bien sûr que si. Tous les dégâts infligés. Jusqu'à 3500 max. Il restaure ses PV. Je tombe sur du détenteur de pouvoir, t'es bien. Et même sans détenteur de pouvoir. Ah oui, ici aussi, il y a un trait qui est bien cheaté, mais sur sa compétence appui, il résiste à un PV. Donc c'est-à-dire il est increvable. Sauf par, du coup, la compétence de 2 Oden. Il n'y aurait que la compétence de 2 Oden qui peut le one-shot. Devant la ulti. Allez, hop, devant la ulti, c'est pas mal. Ensuite, on va enchaîner avec Wuzwu. Wuzwu, bah on a encore pas mal de G5 dans la méta, donc à partir de là, il a toujours des ouvertures. Il y a des Zoro aussi, donc pareil, tant qu'il y a des mouillis, il a des ouvertures. Je pense qu'on peut le mettre au moins dans fort. Je le mettrai derrière Kata. Il est passé Jamon? Non, pas encore. Jinbei, si tu sais le jouer, il est très fort. Il y a moyen, je veux bien te croire. Bah, je l'aurai bientôt 80 de ces 4 là, donc je pourrais tester un petit peu tout ça. Derrière Kata. Derrière Perros. Avec derrière Perros peut-être, ouais, vous avez peut-être raison, c'est peut-être mieux. Derrière Perros, devant Sabo. Devant Sabo. Faudrait qu'on le mette devant Sabo. Ça se vaut en vrai, ouais, ça va, ça le fait. Mais pas plus loin, pas plus bas. Là, ça devient compliqué. Jinbei sous-côté. Ah, c'est pareil, ça fait partie des persos qui n'avaient pas le droit à beaucoup de hype et du coup pas beaucoup de monde les ont invoqués. Surtout qu'en plus dès que c'est des défenseurs, les gens ils sont pas hypés. Ils veulent principalement jouer des attaquants ou alors défenseurs qui bougent vite. Sinon c'est pas intéressant.
Il me fait peur quand j'ai Cracker et c'est trop mal. Jinbe? On va enchaîner avec Brûlé. Brûlé, Brûlé, Brûlé. Brûlé. C'est difficile à dire, Brûlé. C'est difficile à dire. Parce que autant sa contre-attaque, elle peut être incroyable. Renvoyer des gens au spawn, c'est voilà, hein, ça peut retourner une game, clairement. Mais d'un autre côté, le défenseur en lui-même est pas. Sa capacité de téléportation aussi, quand elle pose un miroir, elle peut se casser et revenir sur un tas, ça peut être assez fort, mais. Fun, 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 fun. Même pas correct. Même pas. Oh, correct quand même, un minimum. On pourrait la mettre aux côtés de Sugar, parce que c'est un peu le même principe, en plus intéressant. Sugar, au lieu de les renvoyer au spawn, elle les transforme en jouets, ils sont inefficaces, ils servent à rien pendant un certain laps de temps, mais du coup, Brûlé, c'est pareil, mais elle va gagner un peu plus de temps. Correct, mais vite fait. Oui, voilà, c'est surtout pour stabilité. En espérant qu'on ait un autre père. Ouais, je sais pas, parce que d'un côté, c'est un truc un peu cancer de renvoyer les gens au spawn. Mais ça pourrait être sympa d'avoir cette mécanique de retour au spawn sur des personnages un petit peu plus intéressants que elle. Meilleur que Osoba? Ah, c'est difficile à dire ça, hein, c'est difficile à dire. Là, pour l'instant, la majorité, elle est plus pour aller la mettre dans fun, carrément. Pour ne pas la respecter totalement. Cracker, Krakito. Bon, Krakito, ça part où? Krakito, ça part où? Est-ce que ça part derrière Shanks, devant Mama? Krakito, c'est ultra vénère. Hein. À certains égards, je le trouve presque plus efficace qu'un Zoro hein, dans cette nouvelle méta. Hein. Il explose Barbe Blanche. Ah ouais, c'est vrai que contre Roger, c'est pas top. C'est pas parfait. C'est pas parfait, c'est pas parfait. Donc c'est vrai que peut-être plus derrière Shanks. Devant Mama, devant Mama. Je vois pas mal. Devant Mama, devant Mama. Allez, hop, devant Mama. Genre un nouveau Kuma qui renvoie au spawn. Hé, hey, t'es un petit malin toi, Yocto, t'as raison. Ça serait lourd ça. Ça serait grave lourd. Bonne idée. Ça correspondrait trop au personnage. Oh là là. Yocto, créateur de personnages pour OPVR. On va enchaîner avec Akuma-sama. 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 Akuma-sama, ça part dans les forts. Je pense dans les forts. C'est difficile de le mettre en excellent. C'est difficile de le mettre dans correct. Il est tout juste correct en fait dans cette méta. Ce qui peut pas cancel Roger sur la cape. Son effet étourdissement, bah, de toute façon, il est cancel de base par beaucoup de persos. Contre Yame, c'est pas parfait. Devant Trébol. Ah, devant Trébol, c'est. Trébol a beaucoup plus d'intérêt qu'un Akuma en ce moment. Hein. Ah, et après, il a quand même des petites ouvertures contre du King. Contre les King d'ailleurs qui reste présent. Derrière Ulti. Ouais, derrière Ulti, ça me semble pas mal. Avant Marco. Avant Marco. Ici. Devant Shiki. Ouais, je vois vous êtes 2, 3. Juste derrière Bébé. Je trouve que Ulti est bien bas. Ulti est pas si basse que ça. Hein, parce que là, si tu regardes dans la méta, et franchement, j'en suis étonné, c'est vraiment pas rare d'avoir des games sans aucun attaquant. Mais aucun. Et s'il n'y a aucun attaquant, Ulti, elle a plus de restauration des PV, elle a plus de bonus d'attaque. Donc tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué pour jouer. Depuis quand Akainu excellent? Bah depuis que Roger est venu. Les deux. Depuis que Roger a débarqué, bon bah voilà, Akainu et il est retrouvé en superbe. Hein, il envoie une compétence 2 et c'est fini. Roger peut plus rien faire. Comme à l'époque. Comme à l'époque. Shinjagot. Je pense qu'on peut le mettre dans fort. Ça reste un défenseur qui est plutôt solide, qui a des dégâts qui sont corrects. Puis mine de rien, lui aussi, hein, c'est le seul défenseur avec Boubou. Hein. Petit défenseur. J'ai envie de le mettre aux côtés d'un Jinbe. Je trouve que c'est à peu près le même style de jeu, un petit peu le même calibre, même devant Jinbe. Parce que lui, il a des ignore la def. Donc il a des dégâts plus faciles, plus safe sur beaucoup de persos. Derrière Trébol. Ouais, ça peut se jouer aussi. Ça peut se jouer aussi. Il y a une petite bataille entre lui et Beck. Il y a une petite bataille. Fort derrière Beckman. C'est ça, soit devant, soit derrière. Vous êtes plus pour le devant Beckman ou plus derrière Beckman? Anti-malus aussi, oui, c'est vrai. Que lui, il a un anti-malus pur. Juste en étant dans une zone de ta trésor allié. Un des seuls qui rigole au Ashura de Zoro, c'est clair. Même contre Cracker, hein. Contre Cracker, il est parfait. Tu lui mets des soldats biscuits, ça lui fait rien du tout. Rien. La compétence où il tombe, il est pas mal du tout. Ouais, très bonne compétence pour défendre ça. Bon, on va le laisser là, il est bien.
Ensuite, on va attaquer avec Broko Onigashima. Broko Onigashima. Bon. Lui, c'est particulier. Hein. Il y a des games où il peut se montrer littéralement God tier, increvable avec son bonus de DF, CGL et compagnie. Et il y a des games où s'il y a trop de G5, par exemple, ça peut devenir compliqué. Excellent. Excellent, ouais. Devant King. D'un Beckman, le fait qu'il n'ait pas d'anti-déséquilibre, c'est trop chiant. C'est vrai que l'anti-déséquilibre joue beaucoup. C'est vrai que ça fait le taf mineur. Et puis niveau dégâts, Beckman reste quand même un petit peu plus intéressant. Ouais, après, il n'a pas la résistance. Ouais, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Et du coup, notre Brook, il est fort devant Pérou, c'est pas excellent. Fort, pas excellent. Excellent, vous forcez. Attends, on va faire un petit sondage pour savoir. Brook, Oni. Fort. Excellent. Ouais, il y a une petite coupure, petit bug. Ça y est, ça revient, ça revient. Allez, le petit sondage qui est balancé. Ouais, fort, 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 fort. Fort qui part en force. Oh, attention, 61, 38, 62, 39. Ça reste ouvert encore. Fort devant Beckman, sinon. Ouais, ça me semble pas mal comme ça. Ça me semble pas mal, je suis d'accord. Force 60%, bon ouais, je pense qu'on va rester là-dessus. Du coup, derrière Trébol, ça vous va? Je le kiffe, mais il n'est pas non plus excellent dans la méta. Bah, c'est surtout qu'en plus, il y a certains persos qui l'emmerdent vraiment beaucoup. Genre un clou, il peut rien faire du tout. Un cracker, il peut pas faire grand-chose. Enfin, c'est un peu compliqué pour lui. Robin Onigashima. Je l'ai testé justement là, grâce aux cartes chance, level 100. Et honnêtement, j'étais surpris. Hein. Elle fait des bons dégâts. Hein. Elle fait des bons dégâts. Niveau résistance, c'est correct. Pas zinzin. Après, au niveau des mécaniques des compétences, il y a un truc, mais je sais pas, c'est un style de jeu que je trouve particulier. Il faut que je la kick. Pour l'instant, je sais pas trop où la mettre, hein, honnêtement. Je sais pas trop. Je la joue aux alentours d'un kata. Fort. Dans le haut du fort, ouais, je dirais dans le haut, devant, derrière kata. Devant Brook. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, Trébol, Pérouse vont avoir sûrement un petit peu plus d'impact qu'une Robin. Puis niveau dégâts, c'est clair qu'elle va assurer beaucoup plus là. Allez, on enchaîne. Yamato hybride. Yama hybride. Oh, j'ai envie d'aller mettre dans God tier. Hein. J'ai envie d'aller mettre dans God tier. Brixo, t'es là? Brixo. Yamato. Voilà, excellent. Excellent dans les tops. Derrière Brook, devant Brook. Yamato? Yamato, vous voulez. Ah oui, non, vous parlez de Robin Onigashima. Oh oui, God tier, God tier, God tier, on est d'accord. Et après, est-ce qu'on met devant ma. Ouais. Je pense qu'on la met. C'est difficile de la faire monter parce qu'il y a toujours des match-ups G5 et compagnie qui vont lui poser des problèmes. Je sens que c'est contre qui elle pourra pas affronter. Après, tout le reste de l'autre méta, bon, c'est clair qu'elle les explose. Bébé, Yamace. Roger, enfin ça pour ça elle a vraiment beaucoup repris. Excellente derrière Kaido. God tier derrière Shanks Vert. Non ouais, God tier derrière Shanks Vert, je pense que c'est le top. Excellent juste parce qu'elle a pas de régène et que beaucoup de Shanks raid. Ouais. Et après d'un côté, certes l'ancienne méta est présente, mais c'est plus la nouvelle méta qui est plus présente. Les champs, enfin les. Les Rogers, les bébés, les Yamis. C'est ceux-là que tu croises le plus. Même contre Claw, elle est pas mal. Après, le bouclier est tellement fort que je peux comprendre qu'il n'y avait pas de régène. C'est ça. En plus, surtout si tu joues avec un bon set Reduc 2, ça peut aller très vite. Hein. Enfin, hop, je vais refaire un petit sondage. On va voir est-ce que Yamato, on la met dans Excellent ou dans God tier. Excellent. God tier. Dites-moi tout. Et excellente pour monter Kaido God tier. Ouais, mais Kaido, on peut pas le monter God tier parce que Kaido, ça peut, enfin, sa meilleure habilité, c'est de la capture. Sauf qu'il y a tellement de défenseurs maintenant, que ce soit Bébé, Big Mom, y a qui d'autre aussi qui est bien présent. Bah, G5, voilà, le classique, hein, bien évidemment. Je dois partir du live à plus. Vas-y, à plus, Trafalgar.
Oh, j'ai raté quoi? Bah, là, on est sur la tier list. On la monte petit à petit, on arrive sur la fin. On est sur le dernier, les personnages les plus, voilà, les plus capés, si on peut dire. Brooke vaut largement mieux que Robin. On va parvenir trop sur les anciens. Vous voulez qu'on change Robin Brooke, les gars? Vous en pensez quoi? Mais faut pas qu'on revienne trop sur les précédents. Une fois qu'on l'a fait, voilà, on l'a fait. On fera un petit tour à la fin et on rajustera sinon. Je suis d'accord, Brooke, Connie. Brooke Robin, oui. Tu fais des pépés? Ouais, on fera quelques petites pépés après, les gars. Bon, allez, vous avez l'air d'être d'accord. On va mettre Robin derrière Brooke. Et du coup, bon, Yamato, God Tier, 54%, 56%. On va laisser traîner encore un petit peu. Pour l'instant, on va les laisser en God Tier et on va enchaîner avec Nami Onigashima. Nami Oni, franchement, je la trouve vraiment super intéressante dans cette méta. Elle peut gérer les G5, elle peut gérer les Roger, enfin bref, elle peut gérer tout, quasiment tous les persos, on va dire. Bon, il y en a quand même deux qui sont bien chiants, Klo et Cracker. Mais si tu pars du principe que la méta bleue, et même ceux-là, c'est les moins présents, bon, ça sera toujours moins embêtant que tous les autres. Surtout qu'elle claque G5, avec l'ignore la def. Excellent, et on la met, j'ai tendance à vouloir mettre ça devant Yasop au moins. Excellent devant Yasop, c'est pas mal. On fera des PP? Ouais, les gars, on fera des PP. Juste derrière Ray ou devant Ray? Vas-y, allez, on la met devant Ray. Allez, devant Ray, c'est nickel comme ça. Et du coup, pour Yama, ouais, bon, on va laisser tourner encore un petit peu. Usopp Onigashima, waouh. Franchement, Usopp, je sais pas. Hein. Alors, certes, il y a son effet sommeil, mais est-ce que l'effet sommeil, maintenant, il a vraiment de l'intérêt, puisqu'il y a des persos de type Aramaki, de type Claude, de type Mama, qui peuvent capturer sans avoir à envoyer une compétence? Sachant que c'est lent, il a zéro pression sur les autos. Je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, qui le trouvent fort, mais enfin, je sais pas. En plus, bah justement, je l'ai testé aussi avec les médailles 100, j'ai fait quelques games, j'ai trouvé, je savais pas quoi faire avec. J'ai l'impression que je peux rien faire. Dès qu'il y a des persos en plus anti-malus, tu n'as absolument aucun intérêt, zéro, aucune mobilité, t'as l'impression d'être un pot de fleurs. Fort, 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 fort. Ouais, oui, fort, on est d'accord. Et on le met à peu près où dans fort? Pas très haut, hein, je trouve. Hein. Alors, je trouve Marco Nigashima va avoir plus d'intérêt. Derrière Marco, c'est pas mal. Vous en pensez quoi derrière Marco? En fait, pour ce jeu, il faudrait monter God of Sop et mettre le bleu à la place. Monter God of Sop et mettre... Ah non, on va pas monter God of Sop. C'est un peu loin, ou alors tu veux le baisser autant le ce Usopp là? Assez bas dans fort. Du coup on le mettrait plus aux alentours avec ces Usopp là. On le met en trio des Usopp. Dans les forts, mais t'as encore des progrès à faire moi Usopp. Aussi bidon que dans le manga. Respectez Usopp s'il vous plaît. Je veux vous ban sinon. Avec les devs de la méta, c'est compliqué pour ce Usopp. En plus, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bon, on va le laisser là, il est bien. Et alors, limite, tu me disais, tu veux le mettre derrière God of Usopp, si je comprends bien, café. Ou bien, derrière bébé, derrière Marco, c'était bien. Ouais, alors, je pense. Faut qu'on arrive à trouver un juste milieu. Funky. Bon, en majorité, la plupart vous voulez le placer assez bas, du coup on va le placer par là, on va le placer avec les autres, c'est pas mal comme ça. Ensuite on va enchaîner avec Audit Jones. Audit Jones, je sais pas, hein, il vaut quoi dans la méta? C'est longtemps, hein. Le peu que j'ai sorti, j'ai pas kiffé. Je sais qu'il est fort contre les détenteurs de pouvoir surtout. Usopp Pony, son appât qui est inexistant dans cette saison 123. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bof tier. Fort. On le met dans fort et on le mettrait assez loin, je suppose. Parce que niveau capture, je trouve, il s'exprime pas. J'ai l'impression de jouer un attaquant, mais qu'il n'y a pas suffisamment de dégâts pour jouer à l'attaquant. Et en plus de ça, il a zéro mobilité. Donc pour un fonceur, c'est pas un jeu. Très intéressant, en vrai. Bah, ça dépend contre qui. Contre certains persos, ouais, style, tu le mets devant un cracker, là il est très fort, mais contre d'autres, il fait pas grand chose, hein, je trouve. Derrière bébé? Ouais, derrière bébé, c'est pas mal, je trouve. Parce que là, dans cette saison, actuellement, enfin,
Il n'y a pas de bleu pour contre qui. Enfin, il y aurait des bleus détenteurs de pouvoir, ils pourraient être incroyables, mais il y en a tellement peu que c'est un dueliste Audi. Exactement, c'est ça. C'est un perso taillé pour le 1v1 et voilà, récupérer son petit tas de trésors derrière, tranquillement. Ensuite, on va enchaîner avec un. Bah tiens, le voilà, Rose. Le Jamon. Jamon. Bon, j'ai pas eu le temps de le sortir. Je pourrais pas trop dire est-ce qu'il vaut le coup contre Roger ou pas. Dans l'idée, j'ai envie de le mettre au moins en fort. Parce que vraiment, il a une resto DPV anti-malus. Est-ce qu'il a un anti-projection? J'ai un doute. Il a des dégâts qui sont corrects. Et c'est surtout contre les persos boucliers. Donc si tu as du Yama hybride, Uta, Riley, le personnage est god tier. Parce que déjà, même sans les persos boucliers, il a une résistance de défenseur à la kid. Énormément de résistance, jusqu'à 80% de réduc. Et quand il y a des persos boucliers, il a 80% de réduc et 70% de bonus de défense. Ouais, ça commence à devenir beaucoup. Et il est littéralement incroyable avec toutes ses restos et toutes ses réducs. Donc pas d'anti-projection. Aïe. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un défaut. Fort bas. J'ai tendance à vouloir le mettre au moins devant un Kaido. Parce que défensivement parlant, je pense qu'il a un minimum de quoi être embêtant. Enfin, tu vas pas le bouger comme ça. Et il y a des games où il va être vraiment très méchant. Derrière Robin, ça voudrait dire qu'il est plus intéressant que Beckman et Shinjiro. Mais là, actuellement, dans la méta. Pas convaincu hein. Derrière Robin, derrière Kata, derrière Tribol, bon, on va le monter un peu puisque dans l'absolu la plupart vous avez l'air de vouloir le monter, on va le mettre derrière Robin du coup. Allez, et on enchaîne avec le GOAT ultime, Klo, est-ce qu'il y a besoin de débattre? On le met top 1, hein, je pense que voilà, ça y est, il n'y a pas besoin beaucoup plus d'en parler, on y reviendra à la fin quand tout le monde sera placé. Ensuite, Killer, franchement je le trouve lourd de fou, c'est une dinguerie, ça va au minimum dans fort pour moi. Je le trouve supérieur à Kata. Les dégâts sur les critiques, on se rend pas compte comment c'est. C'est trop énervé. Il a des dégâts monstrueux. Dégâts monstrueux et surtout restauration des PV de zinzin et écrin pas l'anti-resto des PV. C'est-à-dire que si tu joues correctement, que tu tombes pas sur des match-up trop relous, enfin le perso il est en roue libre, clairement. Pour moi, ça va soit devant Kata, j'ai même envie de le mettre dans excellent sur les derniers. Sachant qu'aussi il a anti-capture. Donc il peut mettre anti-cap, ouais, exactement les gars, tout à fait. Devant Nami presque. Hein. Parce que c'est vrai que l'anti-cap, plus les dégâts, les restos, il a vraiment beaucoup d'arguments pour mettre une bonne pression dans cette méta. Hein. Pourquoi Jugong et God Tier, il est nul. Mais non, Jugong, c'est le GOAT avec Gaemon. C'est les GOAT, les gars. Excellent, ça me va. Allez, parfait, nickel. On le met devant alors. Ensuite, Uta V2. Ah, Uta V2, c'est dommage. J'aimerais bien avoir le perso. Hein. Elle a l'air d'être assez opérationnelle. Hein. Contre Roger, logiquement, si je dis pas de bêtises, elle a des atouts, elle a au moins une projection, plus celle de la contre-attaque, plus celle du Tot Musica. Fort devant Yasop. Ouais, bah du coup, c'est excellent. Uta V2 et flop comparé à la V1. Ouais, c'est sûr que si tu. Bah, mais justement, si on compare. Est-ce que c'est une bonne chose de comparer? Parce que la V1, elle a tellement marqué une génération de personnages. C'est pas une bonne chose de la comparer. C'est comme là tous ceux qui trouvent Riley V3 faible. Alors que c'est juste que le V2 était tellement impressionnant que voilà, le V3 semble moins. Mais je pense que ça c'est un perso qui a. Ouais. Excellent, bah oui, moi j'ai envie de le mettre dans excellent. Hein. On va faire un petit sondage, voir si vous le voyez plus dans. Et du coup, Yama 1, hein, c'est serré. C'est serré, mais on va clôturer. Du coup, ça fait 50. Ouais, bah, c'est simplement serré. Équilibré, parfait. 66 votes, 33-33. Ah non, excellent, hop, ça a clôturé sur un 5. Ah bah non, merde. Ah si, 56-49, c'est bon. On va laisser Yama Hybrid en excellent. Et du coup, démarre un sondage. C'était pour Uta V2. Uta V2. Excellent. Ou alors fort. Dites-moi tout. Elle a des projections, ouais. Ouais, elle a la projection, c'est ce que je disais. Après, en plus, elle a des malus aussi. Projection, malus, c'est pas négligé. Parce que bah, justement, il y en a, ils ont soit l'un, soit l'autre. Et du coup, bah, y a des persos qui peuvent pas gérer. Elle va pouvoir gérer pas mal de persos, pas mal de fonceurs. Excellent, excellent. Ah, voilà, vous me rassurez. Pour l'instant, ça rush en excellent. Et, on va mettre devant les autres, peut-être. J'ai envie de retirer. Et je pense qu'on va reculer Garp. Hein. Quand même, King, Uta vont avoir plus d'impact. Hein. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord?
On m'égare un peu dans les dernières excellences, ça me dérange de le mettre devant ces deux-là. Revenu comme ça au mauvais moment. Ah, c'est vrai que niveau timing, il y a plein de persos, ils ont un mauvais timing. Hein. Yamba finit excellent, pas Gotthier. Ouais, ouais, Gotthier, faut pas abuser non plus. Gotthier, ça commence à faire beaucoup, malheureusement. Le Tot avec une meilleure cadence, ça peut se mettre en top tier. Ouais, mais c'est pas le cas. Elle a pas une meilleure cadence, son Tot. La projection, elle est assez lente, donc c'est pas parfait. À la limite, quand t'invoques le Tot, ils auraient pas pu capturer. Enfin, ça compte vraiment comme un allié. Genre un petit peu comme la... C'est quelle invocation? L'invocation de Robin. De Robin Noël. Et ben, si ça avait été comme ça, là ça aurait pu être intéressant. Parce que du coup ça aurait empêché les ennemis de capturer. Bon, sauf si c'est ramaqué quoi. T'as laissé Yama Gotthier. Ah non, c'est excellent, elle est pas dans Gotthier. Ou alors vous voulez que je la descende dans Fort plutôt? Et Yama hybride, ah non, Yamato. Mais Yamato, elle est bien dans Gotthier. Hein. Le sondage, il a été terminé. Excellent, 59%. Ah oui, non, merde. C'est du 50-50. C'est pas 51. C'est pas grave, on fait une impasse. Pour le bien de Drixo. Il sera content quand il verra la rediff. J'ai défendu ça, Yamato. Yama hybride, Gotthier, bah oui. Du coup. Ouais, Uta, on en est un, tac, tac. Ça vous convient là du coup, King, Uta, Garp? On est bien comme ça? Restons en ignorant les ennemis, c'est fort de fou. Aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est extrêmement pété ça, j'avoue. Yamato, je l'aurais mis excellent. Uta devant BN. Uta devant BN, vous voulez qu'on la monte un petit peu, Uta? Ça peut se faire. Killer, il est fort. Ouais, il est grave fort, Killer. Machine de guerre. Aurait fallu que l'impact du Tot Musica soit le même que la Redou de Jojo. Ouais, voilà, exactement. Ça aurait été un truc comme ça, là, on aurait eu quelque chose qui aurait été sacrément vénère. Toi devant un ami. Bon, peut-être pas devant un ami, mais on va au moins la mettre devant Barbe Noire. Voilà, comme ça on n'est pas trop mal. Parce que là, c'est comparé à la méta actuelle. Et étant donné qu'il y a beaucoup de Roger, elle n'est pas non plus parfaite pour affronter Roger. Ensuite, bon, le classique, G5. G5, on le place où? Devant Zoro? Derrière Zoro? J'ai tendance à vouloir mettre derrière Zoro. Hein. Zoro gère tellement de match-up, tellement de personnages. C'est la polyvalence incarnée. G5 a beau être polyvalent, gérer pas mal de choses. Après Zoro. Devant. Oui, j'ai vu, t'inquiète. Mais à une voix près. T'inquiète. Voilà, on fait des petits écarts. Devant Zoro. Derrière Zoro. Et bien troisième, derrière. Ça m'a l'air assez. Derrière. Ouais, si, bon, c'est derrière. C'est majoritairement derrière, on est d'accord. Ensuite, Sanji Onigashima. Parlons-en, le café. Alors, Sanji, mon bon vieux Sanji. Pour l'avoir sorti 80, c'est pas exceptionnel. Hein. C'est pas exceptionnel. On a des dégâts qui sont lourds. On n'a pas l'impression d'avoir des stacks de DF. On se fait goumer assez facilement. Son plus gros atout, c'est son dash qui met des dégâts de zinzin des fois. Mais ses stacks sont assez chiants à obtenir. Je pense qu'il va dans... Il va dans excellent quand même, non? On est d'accord. Depuis quand rêvait de derrière Nami Red? C'est Nami Onigashima plutôt. Hein. Sondage pour G5? Ouais, il n'y a pas besoin de sondage, je pense. Hein. Si tu veux, je peux le tenter pour faire plaisir, mais à mon avis, vu le nombre de... G5 devant Zoro. Vu le nombre de derrière qu'il y a eu, à mon avis, ça va être sans équivoque. Gaimon et Jung SBF en Gotthier. Ok, la tirée, c'est une pure masterclass. Bah oui. Pourquoi? Jugong, il éclate des gueules. Tu lui mets une belle obétie dans sa team, c'est un Jugong. Il est passé à un autre level. Il a développé le haki des rois, le haki de l'observation, le haki de l'armement. Il a fait l'entraînement avec Goku, avec tout le monde. En fait, il faudrait plutôt le mettre dans fort, devant Oden. Hein. Sanji est nul. Et bon en même temps. Vas-y, on fait comme ça. Moi, ça me va, je suis d'accord.
Ah, attention, la team G5, elle se réveille. Devant Zoro, 51. Vas-y, on va essayer de vous accorder pour que ça tombe à 52 au moins. On va laisser traîner encore un petit peu le vote. Et on changera après. Ensuite, King. Ah, ça c'est le GOAT. Ça c'est le GOAT, hein. Le débat. Attends, après on relancera un sondage, mais il y a un truc qui m'intéresse pour vous, c'est qui est le plus intéressant. Est-ce que c'est King ou est-ce que c'est Cracker? Franchement, il y a débat, hein. Il y a débat. Parce que King n'a pas de resto, mais il a des boucliers qui lui permettent d'être tellement, tellement cheaté. Cracker a des restos, mais d'un côté, il a un petit peu moins de dégâts. King, il met des tatanes de c'est n'importe quoi. 54%. Allez, réveillez-vous, la team Zoro, là, si vous voulez que Zoro reste devant. Cracker trop cheaté. Bah oui, bien sûr, Cracker, machine de guerre. Cracker. Ah ouais, vous êtes team Cracker du coup. Ah ouais. Ouais, je pensais pas. Après, on va faire le sondage pour voir si c'est à ce point-là. Ah ouais. Ah ouais. Parce que franchement, je trouve les. Enfin, King, c'est n'importe quoi. De la moindre compétence, c'est du one shot. Cracker, meilleur BF du jeu. Ah, mon cœur commence à balancer gentiment, mais sûrement vers le King. Hein. C'est. Ok, j'ai trouvé qu'il y a des choses aberrantes à faire avec. Avec Cracker, mais j'ai l'impression que c'est encore plus aberrant avec le King. Hein. Après, King, à terme, il sera peut-être plus vulnérable s'il y a des personnages avec des séquences d'attaque, des compétences ou des autos avec beaucoup de séquences qui vont être chiants. Ça va être un peu plus compliqué à long terme. Cracker a plus de chances de survie à long terme. Ça, je peux le concevoir. Devant Zoro, oh là là, c'est serré, n'hésitez pas à voter les gars, on va bientôt clôturer le vote pour le G5. Est-ce qu'on met G5 devant Zoro Onigashima ou derrière Zoro Onigashima? Oh là là, je kiffe le chat aujourd'hui, j'avoue que c'est actif, ça fait plaisir. Vous régalez les gars, vous êtes top. Tu peux limite 1v2 grâce au biscuit. C'est vrai, mais si tu pars de ce principe-là, avec le Boubou, c'est pareil. Hein. King, il tape une bonne esquive, derrière, il peut enchaîner et dégommer tout ce que tu veux. Hein. Meilleure longévité, ouais, ça c'est vrai. C'est réel. Cracker gère tous les persos de la Nive. C'est vrai que vis-à-vis des persos de la Nive, par exemple, King peut avoir un petit peu plus de difficultés de contre Blanchounet, étant donné qu'il a des séquences. Il peut cancel le Boubou un petit peu plus facilement. Devant Zoro. Bon, bah, on va clôturer. Et du coup, le G5 qui va piquer la place du Zoro. Eh oui, triste, mais c'est réel. Et on va faire un petit sondage pour savoir le meilleur. BF. Est-ce que c'est serré ou pas? Ou est-ce que vous êtes tous Team Cracker? Il faut le rappeler, hein, Cracker, il a mis du temps à gagner le cœur des gens. Avant d'être considéré véritablement comme le meilleur BF. Cracker et King sont tous les deux dans God BF. Ouais, c'est ça, clairement. Cracker, il est élément bleu, donc. Exactement, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. L'aspect élément bleu, bah déjà, ne serait-ce qu'en pur dégâts ou pur res, bah, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors que rouge, à l'inverse, c'est le meilleur élément. Cracker est meilleur que King, 65-35, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui. Alors comme ça, King vous a pas conquis à ce point-là? Il y a aussi un petit détail, mais King a un petit peu plus facilement le droit à l'erreur qu'un Cracker. Un Cracker, il n'a pas le droit à l'erreur sur le placement de ses biscuits, sur son propre placement et sur ses esquives. Vous êtes où là, les joueurs King? Hein? Il a aussi ignore la def. Bon, Cracker a ignore les réducs. C'est kiff-kiff. Cracker a le droit à l'erreur. Bah. Oui et non. Oui et non, parce que s'il loupe son biscuit, qu'il n'est pas détruit, bah, la restauration des PV, elle est inexistante et il va se faire dégommer assez rapidement. Hein. King fait largement plus de dégâts. En plus, oui. Très largement. Bon, bah, du coup, hein, pour l'instant, ça a l'air d'être sans équivoque. On va monter le Cracker en dessus. Et puis, pour un King au-dessus de Mama, je trouve. Hein. Ou alors, vous voulez qu'on descende encore le King? Cracker n'a pas le droit à l'erreur face à Shanks. C'est même pas, il n'a pas le droit à l'erreur. Il va galérer, même en plaçant tous ses soldats correctement. Et en plus, le Shanks en face a intérêt à faire le con. Albert, tu loupes ton esquive, t'es dans la merde. Ton règlement n'est pas valide, Tony. Bah non. Parce que, bon, sauf si tu te fais one shot instant.
Mais comme c'est un élément rouge, il a plus de difficulté à se faire one-shot instant. Mais il a 50% de recharge de son esquive. Donc son esquive, il peut la récupérer rapidement. Et puis il faut réussir à gérer la première bonne esquive. Une fois que tu as réussi à gérer la première bonne esquive, bah, il est en roue libre, je trouve, plus facilement qu'un cracker. Surtout qu'en plus, cracker, c'est un peu sa mécanique de biscuit, c'est un peu comme la mécanique de contre-attaque, je trouve. En gros, si tu joues pas super bien autour de cette mécanique, t'es dans la merde. Alors que ben, Cracker, l'esquive parfaite, c'est la mécanique de base du jeu, l'essence même. Donc à partir de là, il en fera toujours plus facilement que... Il y aura plus de chances que Cracker loupe son biscuit que King loupe son esquive. Tu vois ce que je veux dire? Cracker, King V2, ça sépare les commis, je suis mort. c'est bien, j'en vois. On était à 66, on est à 59. J'en ai converti quelques-uns peut-être. Allez, la Team King, là, réveillez-vous, la remontada. En plus, c'est vrai que j'ai toujours pas fait de session gameplay sur le King V1 depuis que je l'ai level 100. Il faudra que j'en fasse une à l'occasion. On le sortira un petit peu tout à l'heure en ligue. Big Mom devant Cracker et King. on a déjà fait les votes tout à l'heure et Cracker est tombé devant Big Mom. Donc on va respecter les votes. Et là, c'était pas du 50-50, c'était du 60 et quelques. Tony, tu vas bien lancer les votes. Bah oui. Je crois quoi? Faut bien. Je mets ma patte un peu. 57-43. On sait jamais, hein, c'est un malentendu. Là où on peut pas comparer, c'est le flow de King V2 qui a détruit Cracker. Ouais, bah il va là, 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 là. C'est deux scènes, deux ambiances. Cracker, c'est, mais il a un flow négatif en plus. C'est nul. Ça sent le bourrage de crâne pour King. Allez, vas-y, c'est parti. Bah, en fait, le perso, je l'ai pas trop brûlé parce que bah, j'étais en mode, vas-y, c'est un perso tellement débile as fuck que ça m'intéressait pas, mais voilà, c'est pas le plus intéressant. Mais si vous voulez que je fasse de la propagande King, on va en faire, hein. On va en faire, hein. Queen Hybrid. Son plus gros atout, c'est que contre G5, c'est sûrement le meilleur fonceur. Il y a toujours beaucoup de G5 qui traînent. Mais après, il n'a pas de mobilité et s'il n'y a pas de projection, il n'a pas d'invisibilité non plus. Il est très fort quand il est sur la cape. Il a beaucoup de réduits. PNPP King versus Cracker. Ouais, on peut faire ça après si vous voulez. C'est un petit 1v1. Arda, tu ramènes ton Cracker. Je prends mon King. Bello Betty, meilleur BF, va falloir se battre, Tony. Ah oui, t'inquiète. Bah, j'ai sorti ma petite game là, 10k score quasiment, avec Bello 80. Ah, j'ai hâte de l'avoir level 100. Queen, c'est excellent, c'est le meilleur counter de G5. Ouais, voilà, on est d'accord. Et du coup, on le place devant Yama. Parce que j'ai tendance à. Enfin, c'est assez compliqué pour moi de le mettre. Ouais. Après Odin. Queen, je le trouve pas ouf. Bah, comme on le disait, voilà, c'est situation. C'est un minimum de G5 qui peut s'entrer vraiment très très chiant pour eux. Parce que bah là, tu casses les contre-attaques. Tu te mets bien, tu mets invisibilité. Il fait ignore la DF, mais du coup, toi, t'as des réductes. Donc, tu vas pas prendre masse de dégâts. Donc, il est vraiment parfait. Odin, meilleur attaquant du jeu. Bah, attends, on est même pas encore Odin. Après Odin, allez. Du coup, on va le laisser là, il est bien, nickel. Et on arrive sur les derniers. Du coup, on a de la Bello Betty. Eh oui, allez, du respect pour Bello, s'il vous plaît. Du respect pour Bello. Excellent. Je vais voir une pluie de excellent. God tier, magnifique. Meilleur perso du jeu, incroyable. Bello Betty, mais quel goat. Mais pourquoi je n'ai pas découvert ce personnage-là avant? Fun. Oh, toi, je vais te ban. My Burger, toi aussi, je vais te ban. Tous ceux qui mettent fun, vous allez manger un ban. Faites attention à vous. Excellent. Quasi God tier. Voilà, tu me fais plaisir, café. On est d'accord. Excellent minimum pour moi. Minimum syndical. Et après, bon, God tier, c'est un petit peu compliqué. Faut que je la brûle encore un peu. Mais je vous jure, il y aura des petites séquences. Bah, attendez. Petit spoil de la vidéo Bello qui va arriver. Mais vous allez voir. Attends, est-ce que c'est celle-là? Parce qu'il y a un moment, il y a une situation, c'est des barres derrière. Ouais, je crois que c'est celle-là. Donc là, je suis un petit baston. Tac. On fait la bagarre.
de la bagarre en 1v2 avec Bakainu et Shanks. Qui c'est, et, ah non, bah, c'est du 1v3 en fait. Du 1v3, on fait la bagarre, mais on fait la bagarre à 1 PV. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, ah non, le Bakainu il est chez moi en fait. Du 1v2, du 2v2 en fait. Faire un dé. On a un petit récap pour nous aider. Mais du coup, regarde, la zone, elle peut être là, véritablement, H24. Le set n'est pas encore complet. Et à chaque fois que tu tapes, chaque auto, voilà, hop, c'est de retour. 1 PV. Voilà, hop. Et comment vous allez me tuer? Le personnage est littéralement invincible. Et c'est pour ça que je trouve que c'est trop trop fort. Et du coup, bah en fait, qu'est-ce que tu veux qu'il me passe, les pauvres? On va laisser jusqu'à la fin quand même, histoire de. Et enfin, je suis invincible quoi. Faut juste que je mette des autos quoi. Roger, tu veux quoi toi? Casse-toi. Levis, dégage. Et puis elle aussi, elle restaure l'état pendant qu'il y a des ennemis. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ah bon, là par contre, ça c'est chiant. C'était la petite ouverture. Où justement. Il n'y a plus l'anti-malus, faut bien faire attention à la petite jauge, mais bon voilà, là ça c'était nickel, ça s'est terminé sur le petit Zika, et franchement niveau zone on se rend pas compte, mais elle est incroyable. Du coup, Bello Betty God Tier, attends, bah, on va faire un petit sondage pour Bello. Bon, Cracker 55, attention, 55-45, hein, j'ai réussi à convertir quelques-uns peut-être. Hein. Est-ce qu'on peut changer les votes ou pas? Bello Betty God Tier. En plus, faut dire que Bello Betty, c'est le seul personnage qui peut rendre totalement invincible d'autres personnages. Par exemple, je pense à un Zoro qui a pas d'antimalus grâce à la compétence 1, tu lui mets un antimalus, plus un 50% de bonus d'attaque, comme si le perso faisait pas déjà suffisamment mal. Et ça, c'est voilà, outre la capacité de survie, la capacité d'être à ton équipe, elle est incommensurable. Franchement, les gars, si vous hésitez, n'hésitez pas. Hein. Essayez de récupérer Bello Betty. Hein. 180 diamants, vous aurez pas une meilleure occasion. Hein. Là, c'est le moment de la récupérer. De toute façon, je vais la brûler, je vais faire des gameplays, je vais aller chercher des masterclass. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des 10, 12 K-scores, 20 K-scores. Bah, c'est Timmy, il a réussi à faire 2 10 K-scores avec sa Bello Betty, level 80. Je préfère invoque sur le pareil du 14. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah oui, portail, j'imagine. Portail du 14, il y a quoi le portail du 14? Nouveau perso 3, non, même pas, c'est quoi? Excellent, 60%. Allez, les gottières, réveillez-vous! Non, si on la mettrait dans excellent, on la mettrait où à peu près? Parce que là, actuellement, faut pas oublier un détail. Comme on a pu le voir, c'est elle qui gère sûrement le plus facilement Roger. Qui va pouvoir le cancel, le virer et restaurer l'état de trésor en même temps. Elle va être sous-estimée, c'est sûr, mais pour moi, Bello Betty, c'est le meilleur défenseur aujourd'hui. C'est pas improbable, hein. Et puis c'est surtout aussi le seul personnage de type soutien du jeu. Il n'y a aucun personnage qui a autant d'intérêt pour sa team. Personne. Elle a fait des restos, bonus de vitesse, bonus de crit, bonus d'attaque. Elle donne tous les bonus. Anti-malus, anti-projection. En fait, c'est un putain de cheat code ce jeu, ce perso. T'as besoin d'un. En plus, c'est ça, tu vas pouvoir rendre God tier tellement de persos, faire tellement de tests. Non, c'est rien à dire. Bello God. La vérité, premier des excellents. Je l'adore, mais on peut pas la mettre à côté de Mama parce que si. Les marres d'autres, rien, c'est la sauce. J'ai pas compris, game. Elle fait pas beaucoup de dégâts, mais elle booste bien les autres persos. Oh, attention, hein! Là, elle a seulement 1600 d'attaque sur mon compte, 1700, un truc comme ça, level 80. Et avec le boost, je tape du 2000, 3000. Hein. Donc, avec 70% d'attaque, level 100, à mon avis, il y a moyen qu'elle tape du 4, 5, 6000 sur ses autos. Pour ajouter une classe support pour Bello. Ouais, mais bon, ça servait à rien. Enfin, si elle avait d'autres persos support, ça aurait de l'intérêt, mais là, il y a qu'elle. Donc, ça n'a pas de grand intérêt. Tu peux pas mettre un perso God Tier alors qu'il n'est pas totalement présent. Je veux dire qu'il est absent dans la méta. Alors, c'est vrai que. On en croise quand même déjà maintenant un petit peu grâce au portail. Elle a plus de dégâts que Ray V3. Oui, réel mais triste. Bah après, d'un côté, ça dépend. Parce que Ray, il peut taper du 70% PV. Donc si l'ennemi en face est full PV, t'as de quoi. Plus si jamais c'est des persos lumière, ça peut aller très vite. Et on va enchaîner avec Karasu. Pareil, tester rapidement level 100. Bon, tape sur les pourcentages, mais pression négative. On dirait lui aussi un peu un soutien. Qui reste à distance, qui essaie de gratter des autos, faire claquer des esquives.
Je pense qu'on le met dans fort. Fort, on le mettrait où? Karasu vraiment sous-estimé, tu peux mourir tellement rapidement des... Alors, sous-estimé ou surestimé? Faut savoir. C'est vrai que niveau résistant, je crois il est pas incroyable. Plus de 100 spectateurs. Ah, oh, nice, 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 c'est bien, ça a remonté un peu. Mais contre lui... Ah oui, ouais, d'accord, oui. Bah après, oui, dégâts sur les pourcentages, ça peut être vite très trop. Je le vois jamais. Bah, personne l'a invoqué, personne n'était hype sur lui et Bellobetti. Peut-être qu'il aura le droit lui aussi à un portail à 180. Ça donne des esquives faciles. Oui, mais ça peut être aussi un désavantage, justement. Tu fais claquer des esquives facilement. Tous ceux qui votent Bello, excellent, ont jamais joué Bello. Clairement, hein. Quand ils la joueront, ils diront, mais attends, mais c'est quoi cette merde? Mais tu vas voir, t'inquiète, gros caramel. Je vais faire la propagande Bello Betty. Je vais essayer de faire du mieux que je peux jusqu'à la fin du portail. Et puis après, ils regretteront, c'est ce que je te dis. Hein. Ils attendront. Hein. Du coup, Karasu, on le met où, les gars? J'aurais tendance à vouloir le mettre... devant ou derrière Akuba? Je vais quitter le live, bye bye, vas-y, à plus Kibi. Enfin, je joue la Bello, mais les alliés, j'y ai tellement pas. Ah, ça, j'avoue qu'il y a des games, t'as envie de les insulter. Après, en ce moment, il y a plein de petits comptes. C'est horrible. C'est horrible. Tu peux rien faire. Enfin, t'as des joueurs, ils savent pas du tout jouer, quoi. Ils sont du père. Derrière Akuba, devant, derrière. Bon, ça part sur du derrière majoritairement. Bon, on va le laisser là, du coup, c'est nickel. Ok. Et ensuite, il nous reste de la Black Maria. Ah là là, sacré perso, ça aussi, hein. Sacré perso, je pense qu'on peut la mettre facile dans fort. Ouais, excellent, c'est un peu compliqué. On la mettrait où dans fort? Parce qu'elle a des bons dégâts, son mur, la toile, l'effet attiré. Et surtout, son mur, quand tu tapes dedans, t'es putain d'entoilé. C'est trop pété, cette merde. Excellent, ah ouais, excellent. Fort. Derrière Kaido. Bah, je la trouve plus efficace que Kaido. Hein. J'aurais plus tendance à vouloir la mettre devant Kaido. On va faire un petit sondage pour elle, voir si jamais il y a beaucoup de partisans du excellent, que j'en vois pas mal mine de rien. Devant Kaido. Ah oui, non, c'est pas ça. Excellent. Fort, c'est un troc particulier, hein, franchement. C'est clairement l'un des meilleurs trocs qu'on ait eu récemment. Hein. Il y a trop de spé qui passent le mur, c'est dommage, ça détruit le concept du mur. Ouais, c'est vrai que bah, c'est surtout qu'en plus, il y a des persos qui sont bien méta. Surtout, bah, c'est en fait, c'est le G5 principalement. Et puis, bah, maintenant, Roger, du coup, fait chier, putain. Mais bon, un jour, on aura peut-être un mur fait exprès. Qui peut pas être ignoré, tu vois ce que je veux dire? Fort, ouais, bon, on va la laisser dans fort, ça me semble assez évident, et devant Kaido, je pense. Vous allez l'air d'être d'accord. Et on va passer au suivant, qui est notre que de bon vieux Chopper Onigashima. Chopper Onigashima, pour moi, ça monte haut. Hein. Pareil, là, il y a personne qui l'a joué. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué Chopper Onigashima, là, dans le chat? Dites-moi. Dites-moi, concrètement, est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà testé? Au moins, juste testé. Et est-ce que vous l'avez joué dans la méta Roger ou pas? Il retire la def, non? Il me semble pas. Non, il me semble pas. J'ai un doute, je sais plus. Mais il fait tellement mal. Tellement pas résistant. Bah ici, il est beaucoup plus résistant qu'il en a l'air. Il a, sur sa compétence à appui, il a 50% de réduc des dégâts subis. Et sa compétence de restauration des PV, il peut la spammer. À condition de bien focus les fonceurs. Et franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable. Alors, hop, petit fin de sondage. On va voir pareil pour Chopper Oni maintenant. Chopper Oni. Excellent. Bon. Parce que je vous jure, là, dans mon cœur, j'aurais presque envie de... Enfin, après, j'ai pas joué suffisamment de games pour vraiment... Mais le peu de games que j'ai joué dessus, j'étais impressionné. J'étais en mode, ah ouais... C'est devenu comme ça, c'est comment?
En plus, il a 75% de bonus d'attaque. Ignore les réductions de dégâts. Il fait vraiment trop mal. Défaut, c'est sa compétence de restauration marche pas sur lui comme la carotte. Si ça fonctionne sur lui, Rosui. T'inquiète, tu peux bien te restaurer. Hein. Faut juste rentrer dans la zone, c'est tout. Le coup de foot de Tony. Ah, mais je vous jure. Hein. Allez voir, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la dernière vidéo que j'ai faite sur comment défoncer Roger. Il y a un petit gameplay sur lui à la fin. Vous allez voir un petit peu de quoi il est capable. Et pareil, sinon, il y a une petite session gameplay sur lui à la sortie. Pareil, il y a 2-3 games sympas. J'ai vérifié, il retire la def quand il met 3 dégâts dans un laps de 35 secondes. Ah bah oui, c'est vrai, exactement. Mais oui, t'as raison. Puisque c'était avec Frankie Onier, c'était les persos axés dédiés anti-def. Et en plus, dans la zone, il y a anti-malus, il a anti-projection, il a anti-tout. Donc en gros, il massacre tous les persos. Ah ouais, fort. Oh là là, pareil, il va falloir que je fasse de la propagande sur lui. Hein. Vous voulez qu'on le mette devant Sanji? Derrière Sanji? Oh les gars, me faites pas mal à vouloir le mettre plus bas, s'il vous plaît. Le peu de choppers que j'ai croisés, je les ai fumés. Bah ouais, mais après, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui les jouent vraiment activement. Hein. Ça, le souci. Tu m'as hype pour Bello Betty. Ah, voilà, mais oui! Venez, rejoignez la religion de Bello Betty. Vous allez transformer vos mates en véritable machine de guerre. Ah tiens, attends, justement, je crois que j'en ai une comme ça. C'est laquelle? J'ai une séquence. Ou justement... Ah bah c'est celle-là. En plus, vas-y, il fait chier. Il est là en mode, vas-y, regarde. Donne-moi le boost. Mais pensez à un truc, là, tu vois, regarde. La zone, elle va jusque là. Donc la zone, elle est vraiment très grande. Donc là, il peut avancer. J'attendais juste qu'il avance. Comme ça, je lui donne au dernier moment. Et ça ne dure que 15 secondes. Comme ça, il peut exploiter. Hop, moi, je me retourne. Et hop, lui, il a one shot. Bim, direct. 22 000. One shot Z5. Et hop, bah c'est déjà de retour. Ah bah attends, Zoro, vas-y. Allez, bah vas-y, explose du Zoro. Ah bah, oh, parfait. Sartek, voilà, quand t'as des alliés comme ça, qu'est-ce que ça met bien. Il a explosé Zoro. Allez, vas-y. En fait, on pourrait jouer juste tous les deux. Juste tous les deux et on va sur les teams, on leur roule dessus, on leur dit vas-y, on les explose. Bon, là, c'est dommage, il a pris une spé. Et il a un peu décollé, t'es pas au top du top. Après, derrière, il va se rattraper. Hop, au découpage. Allez, bonjour, au revoir. Ah non, ça a survécu. Non, mais ce personnage, c'est. C'est du grand n'importe quoi. Et allez, il va nous le terminer. Hop, on le rebooste, allez. Et là, il a vécu sa meilleure game, le Zoro. Il a vécu sa meilleure game. Il a fait un starter et il a explosé tout le monde. Bon, de toute façon, vous verrez la vidéo, elle sortira bientôt. Doudoudou. Pour moi, c'est le même tir que Sanji de bons dégâts, mais pas assez de résistance. Bon, il a des dégâts bien supérieurs à ceux de Sanji. Hein. Très largement supérieurs. Il a 75% de bonus d'attaque. Et avec Chopper, c'est le seul perso avec qui j'ai calé une auto à 30 000, les gars. 30 000 sur une putain d'auto. 30 000 sur une seule auto. Vraiment, une seule auto, 30 000. Comme ça. C'est des choses qui arrivent. Faut vraiment pas être égoïste pour jouer les persos. Bah oui, bah c'est ça. Bah faut jouer les persos qui jouent en team. Ah, tu veux dire Bello? Bello ou Chopper, de toute façon, l'un comme l'autre, c'est pareil. Mais Bello, oui, particulièrement, c'est clair. Tu joues pour tes mates, tu joues pas pour toi, ça c'est sûr. Il y a un petit côté frustrant parce que bah, c'est pas le côté où tu vas prendre des KO, des fois tu vas t'ennuyer un peu à attendre dans l'état et tout, mais quand ça se passe bien, que tu boostes tes mates. En plus, et je vous jure, j'ai déjà reçu tellement de bien avec Bello Betty, les biens ils pleuvent, les gens ils kiffent Bello Betty. Tu me donnes envie de la poule encore, mais j'ai déjà Queen Killer Perros. Mais faut récupérer Bello, hein. Faut récupérer Bello absolument. Hein. Le personnage est trop important. Le personnage est trop important. Et que ce soit dans la méta championnat, la méta Ava, la méta League, tout ce que tu veux, elle est ultra forte, ultra broken partout. Allez, ensuite on va enquiller et finir sur les derniers petits persos. On a le Frankie Onigashima. Alors je sais pas ce que vous en pensez, on va faire un petit sondage sur lui aussi. Pour moi, j'ai tendance à vouloir le mettre dans excellent. Pour une raison assez simple. C'est lui le meilleur remplaçant, le plus viable à King. Parce que bah, il peut affronter Roger. Tout simplement. Il a la possibilité d'affronter Roger et en fait il a anti-projection, anti-malus sur sa compétence à appui, donc il peut pas se faire cancel contrairement à un King qui se fait cancel très facilement. Même Roger peut se faire cancel d'ailleurs. Mais Franky lui, impossible. Rien à faire. Et en plus il a 50% de réduction des dégâts. Franky Onigashima. Excellent. Ou alors fort. Je sais qu'il est sous-estimé de beaucoup, il y en a beaucoup qui le trouvent pas ouf, mais... Concrètement, il a le potentiel. Hein.
Il a le potentiel. En plus, il fait un petit peu comme Croco. Autant, justement, moi, Croco, déjà, je l'aimais énormément pour sa compétence de TP qui te permet de TP super loin à des tas et de retourner énormément, énormément de game. Bah là, c'est pareil, mais avec un perso plus résistant, Franky, et qui a une double compétence de mobilité. Franky a pas de dégâts de souvenir. Ouais, il a des dégâts qui sont assez misérables. C'est son plus gros souci. On va dire, sa plus grosse source de dégâts, c'est limite ses esquives parfaites. Où il va taper 30%. Et la mécanique de l'esquive parfaite fait vraiment son taf. Hein, parce qu'elle est grave bien taillée. Tu mets une petite projection, ça va sortir les ennemis du tas. Tu captures. Quand il est sur la cape, il a anti-projection en plus. Donc du coup, les G5 et compagnie, ils s'en foutent. Bon, il reste vulnérable au malus. Ça, c'est sûr. Faut bien qu'il ait des petites vulnérabilités. Sauf s'il y a Bello Betty dans sa team. Et là, il est plus vulnérable au malus. Faut jouer pur fonceur sans attaquer. Exactement. Bah, de toute façon, vous en verrez plus, le Franky. Hein. Vous en verrez plus. Il est level 96 là. Bon, si vous voulez, on pourra le sortir un petit peu tout à l'heure. Il est level 96 et quand il sera level 100, j'ai un set full opti. 70% def, 70% PV. Donc on pourra voir un petit peu ce que ça donne avec des pièces fonceurs et tout. Bon, du coup 53%. Bon, on va laisser tourner. Pour l'instant, on va le laisser dans excellent. Je pense qu'on... Bah, pour moi, selon moi, on le met au moins devant King. Comme je te dis, voilà, il a rattrapé, il a un peu surpassé le King, remplacé un petit peu à certains égards. En tout cas, du Katavien, bah, c'est un attaquant extrêmement solide. Hein. Comme tu peux le voir, il est bien placé. Hein. C'est le seul perso aussi vieux qui arrive à se classer aussi bien, hein, de très loin. Ensuite, on va attaquer avec le Aramaki. Aramaki, est-ce qu'il y a vraiment du débat? Je pense que je vais voir des excellents. Excellent, excellent, excellent. On est d'accord. Alors certes, vous me direz, oui, il n'est pas ultra résistant. Il se fait péter le cul par pas mal de persos. Du Yamais, Zoro, enfin bref, il y a pas mal de persos rouges qui l'emmerdent. Mais bah, ça reste le seul fonceur BF qui peut capturer et ignorer les ennemis. Donc déjà, par essence pure, on le met, je pense qu'on peut le mettre soit devant, soit derrière Yasop pour moi. Devant ou derrière Yasop, plutôt. Parce que c'est un peu justement les deux reposent sur leurs habilités. L'un, c'est son habilité à capturer et l'autre, c'est son habilité à empêcher les autres de capturer. Update qui est ouvert. Pourquoi? Devant, 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 devant. Ouais, bon, il est bien nickel. Et voilà, Yamato doit être tir, mais je comprends pas comment la jouer. Bah, en fait, c'est simple, pour bien jouer Yamato, il va falloir jouer au maximum autour de tes esquives. Donc, pas trop de jeter. Et de chercher à ne pas envoyer ton bouclier systématiquement quand tu l'as déjà. Ta compétence 2, tu l'envoies pas si tu as déjà ton bouclier joué. Il y a énormément de joueurs qui balancent leur compétence 2 alors qu'ils ont encore leur bouclier. Alors que c'est ça qui leur restaure et qui va faire que Yamato va survivre énormément. Du coup... Tac, 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 tac. Oui, bah là, on est bon. On est bon. Et il nous reste donc Momonosuke. Voilà, oh là, la grosse déception, Momo, hein. Momo, la grosse déception. Momo, c'est les Momo la douche froide, quoi. J'ai envie de l'appeler. Momo la douche froide, tellement... Même level 100, j'ai l'impression que tu peux rien faire. Contre personne. Seul truc qui est bien, c'est sa TP. C'est tout. Il a aucun dégât. Il a une projection qui est pas ouf. Ses séquences d'attaque sont trop longues. Son anti-capture, il dure pas assez longtemps. Même sur la TP, je sais pas pourquoi, ils lui ont mis que 20 secondes. Il a que 25 secondes d'anti-cap. Alors que Yasop a 45 secondes. 25 secondes, ça n'a pas d'impact. 15, ça n'a pas d'impact. Enfin, c'est... vraiment très décevant tout ça. Je pense qu'il peut aller loin. Il peut aller loin. Limite là, on le met aux côtés des Usopp. Les persos presque forts, délaissés. En fait, il est résistant. Ouais, il est résistant. Mais après, il a pas d'anti-malus. Il me semble pas qu'il ait d'anti-projection non plus. Ou seulement sur la compétence de dragon. Et c'est pareil, ça, le gros de sa résistance, il repose sur sa compétence à appui. Ou sur laquelle il est très vulnérable au malus. Donc comment dire, Yasop c'est 25 secondes. Ah ouais. Alors c'est qui 45 secondes? Alors peut-être qu'on fond avec les temps d'anti-restauration des PV. Y a pas un handicap qui fait 45 secondes? Il n'aura jamais son heure de gloire, le pauvre Momo. Ouais, il est trop faible. Beaucoup trop faible, malheureusement. Sauf si un jour il décide de nous faire un reward dessus, mais bon, comme ça, un perso assez récent. Et il nous reste donc 5 personnages. La Yameis. Alors. Yameis, où est-ce que ça va? Selon vous. Est-ce que ça va devant, derrière G5, devant Zoro? Ouais, oh, pitié, laissez-la moi dans le top 3 au moins.
Il y a personne à 45 secondes. Ouais, bah, je dois confondre alors. C'est Kaido pour... Ouais, ça doit être ça. Je dois confondre avec l'anti-resto. Killer Yasop. Bah après, on a déjà voté pour la plupart, les gars. On va pas essayer de trop se re-attarder sur les détails et tout à chaque fois qu'il y en a un qui vient rajouter, se dire oui, non, je suis pas d'accord, tac, tac. Là, on a fait plus ou moins un vote pour la plupart. Killer 45 secondes. Ah, c'est Killer alors. Killer 45 secondes. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, il y en a bien. Attends, c'est aussi long, Killer. Derrière Zoro. Après Zoro, derrière Zoro. Derrière Zoro, derrière Zoro. Bon, beaucoup de derrière Zoro alors. Ouais, ben. Oh, voilà, étonné. Pauvre Yameis, te retrouver aussi loin. Quelle tristesse. Blanchounet, lui, on l'envoie où? On l'envoie dans God Tier, rassurez-moi quand même. Derrière Mama, je pense. Je pense que c'est pas mal, hein. Ou derrière Chance. Derrière Mama ou derrière Chance? G5, bien derrière Yameis. C'est une chips contre tous les nouveaux attaquants. Le G5, il faut essayer d'oublier que c'est un Luffy, les gars. C'est la hype du G5. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Il y a plus de partisans G5. Derrière Shanks. Bon, on va le laisser derrière Shanks. Alors, il est bien là. Ensuite, il nous reste le Oden. Oden. Oden, pour moi, ça fait partie du trio, du Monster Trio. Là, c'est ça, voilà. Avant le Monster Trio, il y avait Uta. T'avais un. On peut plus dire qu'il fasse vraiment partie du Monster Trio. Devant King, derrière King. Bon, si vous m'avez dit Cracker, meilleur perso. Et qu'en plus il a repris, logiquement Cracker reste devant. Le débat, ça va être ces deux-là. Derrière Albert. Devant Cracker. Enfin, tout à l'heure, on a déjà fait les sondages vis-à-vis de Cracker. Vous trouvez que c'est le meilleur BF et assez largement. Donc, à mon avis, le plus logique, c'est soit devant King, soit derrière King. Je vois pas mal de derrière. Ouais, bon, derrière King, du coup. On va le laisser là. Et ensuite, on a Durée Ombre, le Riley Ombre. Riley Ombre qui brille pas particulièrement dans cette méta, hein. Il brille pas particulièrement, il a beaucoup de soucis avec tous les fonceurs. Niveau dégâts, c'est pas zinzin. Vous le mettez dans excellent ou dans fort? Ré, grosse déception. J'avoue qu'il y a un petit côté décevant. Il y a un petit côté décevant, on va pas le nier. Fais des votes, c'était P pour la tier list. Fait mal aux yeux. Bah justement, on a fait des votes. Il y a Gandalf dans la tier list? Ah non, c'est vrai, je crois pas qu'il y ait Gandalf. Non, il n'y a pas Gandalf. On peut en parler si vous voulez après. On peut en parler. Ré derrière, Ré V2. Ré V2. Ouais. Après en soi, il a toujours une bonne source de dégâts. Hein. Si on veut même raisonner logiquement, il a quand même. Enfin, c'est plus avantageux d'avoir un Ré ombre actuellement qu'un Ré bleu. Parce que l'élément ombre, c'est le seul perso qui va pouvoir atomiser la méta lumière. Et en plus, qui va ignorer la résistance à un PV de Odin qui est très chiante. Correct, pas plus haut. Correct, carrément. Ah ouais, à ce point-là, Ré. Bon, attends, on va faire un sondage pour lui. On va faire un sondage du gouffre en Kioni fort, excellent. Ah ouais, ça, c'est assez serré encore une fois. Franchioni, il est là. Ah ouais, vous voulez baisser mon Franchioni. Bon, encore une fois, vas-y, je vais faire une petite tapasse à 1% près, ok, hein, on va le laisser là. Et du coup, c'est... Ouh, il est... Sondage, putain, je sais même plus, attends. Ah oui, sondage pour rien, voilà. Et non. Par contre, correct, t'abuses un peu, Froze. Son relou, Bandai, à pas mettre de projection. Bah, j'avoue que s'il avait eu au moins une projection, ça aurait été cool, quoi. C'est le seul truc qui fait chier, j'avoue. Parce que du coup, bah... Tu reposes un peu trop sur les dégâts que t'as pas, quoi. C'est ça, le problème.
mais aussi nul dans le vote. Aïe, aïe, aïe. On va le mettre dans fort, quoi, vu comme c'est parti. Ah, mon pauvre Ray, t'as pas le droit au respect, malheureusement. Bah, pas trop bas, quand même, pas trop bas. Non, fort premier, ok. Fort premier, ça va. Il est excellent, le perso, je trouve. Voilà, voilà, ben oui, réveillez-vous un petit peu les partisans. Ben oui, le perso, il est jouable. Après, il y en a plein, c'est des haters. Ils jouent même pas les persos, ils disent qu'ils sont nuls parce qu'ils ont classé un perso, je sais pas, d'un mec qui testait, qui était level 80, qui savait pas jouer, et oh, il est trop nul, le perso. Ouais, mais se faire un véritable avis sur le perso, faut le jouer, en fait, déjà. Devant Sanji. Ouais, à la limite, si tu veux, vas-y, derrière... Derrière le Sanji Chopper, on va laisser la prio au potentiel offensif. Il va avoir certainement un petit peu plus d'impact dans cette méta. C'est sûr que bah, là, c'est vrai que le côté méta, pour lui, c'est vraiment pas la joie en ce moment. Et ensuite, il nous reste qui? Il nous reste le Roger, pour finir. El Roger. Roger, Roger, les gars. Top 1, top 2, top 3, top 4, top 12. Ça choque personne, Gandalf qui poutre au bébé. Ah, moi ça me fait plaisir quand on a des bons persos troc comme ça là. Top 1, top 3, top 1. Top 1. Bon bah on va faire un sondage quand même. Un sondage, hop tac. Bim bim bim, démarre un sondage. Roger, vas-y. Top 1. Top 2. Voilà. Hop, déjà top 1, top 2, puis après on verra selon le nombre de votes en top 2, on fera peut-être top 2, top 3. Top 1, top 2, top 2. Ouais, ça se bataille, hein. Ça se bataille. Vraiment un déchet ce perso de merde pour la haine. Bah, café, franchement, à choisir. Tu préfères quoi? Tu préfères un Kamusari Kit one shot ou un Kamusari Kit étourdi? Mais sincèrement, Roger V1 m'a beaucoup plus traumatisé que ce Roger là. Hein. Top 2, top 2, top 2. Ah, la polyvalence. La polyvalence du clou qui semble l'emporter. Top 1, si on est objectif, y a pas photo. Ouais, c'est vrai que... Attends, top 1. Ah ouais, top 1, non. Ah non. Ah non. Ah non. Non, moi, je suis pas d'accord. On va être objectif véritablement, c'est lourd. Hein. Déjà, une raison assez simple. Il se fait counter par Shanks, qui est déjà bien présent. Il se fait counter par Luffy, qui est bien présent. Il se fait counter par Zoro, qui est bien présent. Donc à partir de là, on a un petit souci, tu vois. Non, je sais pas. Top 1, top 2, bah pour l'instant, vous l'envoyez top 2, le Roger. Pour l'instant, il est top de 61 votes. N'hésitez pas, les gars, à voter, ça va être le dernier sondage. On est un maximum d'avis. Ce qui me pète les couilles avec lui, c'est les games full cap, tu gères, mais un vie nulle en level 60. Booster, vous dites. Ouais, ouais. Bon, j'avoue que pour le côté vol de game, ça pète les couilles. Mais bon, on a déjà été vacciné pour ça. Hein. Avec Kaido Hybrid, il nous a volé combien de games, le salaud? Combien de games Kaido Hybrid il nous a volé? Très sincèrement, je me suis fait voler 1000 fois plus de games par Kaido Hybrid que par Roger. Hein. Roger, tu vois venir, c'est un peu comme un king. Tu sais qu'il va aller là-bas, tu le vois débouler. Il fait 100 mètres, là. T'as le temps de venir l'attraper. Alors que Kaido, bah, il se tépé, il récupère, c'est fini. T'as un mauvais placement, t'es mort. Avoir beaucoup joué, Clo mérite la première place. Il est plus polyvalent et un meilleur potentiel offensif. J'ai joué les deux persos. Ouais, je suis d'accord. Clo, franchement, c'est la masterclass d'anthologie qu'on n'ait jamais pu. Bah, et Yamais aussi. Hein. Là, ça me fait un peu mal au cœur de voir Yamais aussi loin, les gars. Yamais, c'est. Faut que je vous fasse des. Faut que j'aille chercher une game à 20 KO, c'est ça? 30 KO pour vous convertir à la Yamato Industry. Yamais, faut le monter, ouais. Ben oui, y a que tout, c'est ce que je disais. Hein. On a fait le vote et elle a atterri là, la pauvre. Après, on va pas refaire les votes. Hein. C'est une bonne tension face à Roger. Ouais, ouais. Même King, l'originel rat, il a le seum. Yamais, vous êtes des rageux, les. Comment ça, tu veux dire les joueurs Yamais? L'esquive sur le Kaido reste plus facile que le Roger, j'ai pas encore pris le pli. L'esquive sur le Kaido, tu parles du Kaido. De la t- ah oui, de la. Oui, c'est vrai que la TP du Kaido est plus facile à esquiver. Bah après, le Kamusari du Roger, en fait, là où c'est énervant, c'est là où c'est le plus difficile, plutôt, c'est côté sang-froid. Parce que c'est pas facile de garder son sang-froid face à ce truc qui déboule sur toi, mais concrètement, c'est exactement le même timing que le Kamusari de base qu'on connaît. Bah après, ça reste un timing qui est pas... C'est clair, le timing le plus compliqué du jeu à esquiver, de loin, c'est sûr.
Roger V2 est beaucoup moins polyvalent que Claw, car il a moins de potentiel offensif. Il reste moins d'un à jouer. Comment ça, moins d'un à jouer? Mais sinon, oui, c'est vrai que Claw, bah, niveau counter pur, il en a pas des masses. Hein. Genre, il y a G5 et Shanksberg qui peuvent l'emmerder, mais c'est des match-up qu'il peut gérer, je pense, beaucoup plus facilement que Roger. Bon, après, d'un côté, ça dépend. Roger, s'il a une bonne gestion de son Kamusari, il a moyen de piquer G5 tout de même. Sondage pour Yamais? Allez, si vous voulez, on peut refaire un petit sondage. On va laisser encore un petit peu. Je vous laisse un espoir de remontada, la team Roger, si jamais vous voulez. 42-58%. L'eau peut démarrer Roger pendant la cape avec l'anti-resto. Oui, en plus, oui. Puis l'anti-réduit fait aussi des dégâts. Quand je sors, j'ai 5, j'adore lâcher un contre sur la TP du Kaido. Il fait rien, j'ai juste régime plus 25% des fois. Et bah, c'est ça, tous les persos contre-attaque, ils peuvent rien faire contre. Enfin, un Kaido hybride, dès qu'il y a des défenseurs contre-attaque, il peut pas TP sur. Enfin, oui, il peut, mais assez risqué péril, quoi. Genre, par exemple, tu mets un Brocconi, il va le découper. Bon, du coup, on va laisser Roger top 2. Et on va refaire un petit dernier sondage pour Yamais. Voir si vous voulez bien la laisser. Alors, on va dire devant G5 ou derrière Zoro. Donc, soit on la laisse à sa place, soit on la met devant G5 minimum. Que je pense que après, ça serait le plus logique, quoi. Rien que Claw et un tag, il est plus polyvalent que Roger. Oui, c'est ça. Et puis en plus, la plus grosse force des tags, c'est que tu as 2 barres de PV, 4 compétences. Et déjà, rien qu'à partir de là, tu as un avantage qui est ridicule comparé à tous les persos. Devant G5, devant G5, devant G5. Voilà, voilà, la team Yamais. Réveillez-vous, réveillez-vous, la team Yamais. On est d'accord. Continue comme ça. Ah, attends, vous bataillez pas trop, la team. G5, la team G5 qui se réveille, qui dit non, non, les G5, la suprématie. Yamais devant G5, bah oui, ça me paraît logique, ça coule de source. Yamais, elle a 75% de bonus d'attaque et elle ignore la défense sur ses putains d'autos, les gars, sur les autos. C'est-à-dire qu'elle balance des autos à 10k, genre c'est la routine. Balancer des autos à 20-30k, c'est cool, quoi, c'est n'importe quoi. G5 est trop chiant à jouer, en plus, ouais, ça. Bon, après, ça, c'est un autre détail, c'est autre chose. Mais oui, c'est sûr que c'est chiant à mourir. On a tous retourné nos vices pour Yamais. C'est parfait, c'est parfait. Bien vu, 61-39. Voilà, voilà. Et attends, Faut que je trouve quelqu'un, une belle obétie, pour jouer avec moi en ligue. Et booster ma Yamais. Comme ça, on sera... Je tenterai... Au lieu d'être la Bello qui booste la Yamais, je serai la Yamais qui se fait booster et on ira massacrer des champs. Voir si on peut aller chercher du 40 KO, faire des games de cheater là sur Dressrosa. En fait, le souci, c'est ceux qui ont mis Zoro derrière G5. Ça se balance. C'est pas le plus choquant. C'est pas le plus choquant, même si j'avoue que Zoro a un sacré impact. Zoro a un sacré impact, mais d'un côté, depuis Roger. On est pas mal, hein. on est pas mal. Vous avez des petites choses à rajouter, les gars? Ah, ça bug? Ouais, c'est possible. Petit F5, réactualiser la page, les gars, il y a des petits bugs. Barbe blanche, c'est pas aussi bas, faut arrêter. Barbe blanche, faut pas oublier qu'il se fait counter directement par Roger. Roger qui est particulièrement présent dans la méta. Il y aurait pas Roger, je suis d'accord. Barbe blanche pourrait remonter beaucoup plus facilement, bien plus haut. Mais là, c'est juste la présence de Roger. Ça pose trop de soucis, clairement. Hein. Vive Bello Betty, on est d'accord. La propagande va commencer. La propagande Bello. Sanji est un peu plus haut, peut-être. Sanji. Ouais, bah on a du mal à le mettre hein, dans Excel. On a fait les votes et c'est en très grande majeure partie Sanji dans fort et pas dans excellent. Après, t'as peut-être raison. Hein. Peut-être on pourrait le gratter d'une petite place. Hein. Sondage Sanjioni? Allez, sondage Sanjioni. Allez. Dites-moi, est-ce qu'on le replace dans excellent plutôt ou est-ce qu'on le laisse dans le fort? On va voir. Si c'est aussi serré, si ça fait encore du 50-50, on ne bouge pas. Si jamais on voit que ça penche plus pour le excellent, bah on le bougera, on le montera d'une place.
Que tous les gods votent. Ah, pour l'instant, c'est serré. Hein. 51-49, pour l'instant, il reste à sa place. Hein. La team Sanji excellent, réveillez-vous hein, si vous voulez qu'il monte. 54%. Attention, ça se réveille, gentiment. Il faut plutôt descendre Franky, King et Garponfort. Après, si tu descends King, Franky et Garp, qui sont des counters directs de Roger. Dans ce cas-là, Uta, Ray, tu peux en descendre beaucoup aussi. Excellent, 52-48, 51-49. Ah ouais. Bon. La partie comme c'est parti, je pense qu'il va rester là où il est, le Sanji. Faut jouer pour comprendre que c'est compliqué à jouer. Oui, bah oui. C'est sûr que c'est pas le personnage le plus pratique à jouer mécaniquement parlant. Oh, 50-55, ouais, bon, ouais. Ça va rester sur fort. Bon, Sanji va rester à sa place. Hop. Et du coup, vous voulez qu'on fasse un sondage. Allez, dernier sondage, vraiment, c'est l'ultime pour bébé. Est-ce qu'on le monte? Si jamais on le monte, à la limite, on va dire derrière Zoro, au mieux. Et sinon, devant Mama. En vrai, c'est bien comme ça, c'est bon. On va voir. Dernier petit sondage et après, on clôt le débat. On clôt le débat. Bébé à grosse pause. Quoi qu'il arrive, là, techniquement, on est parti. Ouais, quoique. Si, devant Mama. Derrière Zoro. Si c'est devant Mama. Ouais, si, on le ferait rater une petite place, au moins. Objectivement parlant, il a quand même l'avantage sur tous les éléments. Sauf l'élément ombre, bien sûr. 52, 54, 46. Devant Mama. Bon. Je pense qu'on peut le faire gratter au moins quelques places. Voilà. On va le placer devant Mama. Devant Mama, c'est bien. Je pense que là, derrière Zoro, ça a l'air un peu beaucoup. Sauf s'il se réveille d'un coup. La team bébé. Allez, la team blanchounet. Un petit peu de réveil, là. Ah, ouais. Non, vous faites éteindre, là. Vous faites éteindre. Bon, au moins, il aura déjà grappillé quelques petites places. Bon. On refait un petit tour. Voilà. Hop. On va voir un petit peu. Bon. Hop. Les persos à fuir, voilà, classique, les persos fun, bon de toute façon, quoi qu'il arrive aujourd'hui on l'aura pas particulièrement bouché, donc ceux qui ont déjà suivi la première tier list que j'ai fait, vous savez déjà un petit peu ce qu'il en est, et du coup un peu voilà, correct, fort, excellent, et les god tier. Tu penses quoi des tirages actuels? Comment ça, tu veux dire des portails plutôt qu'on a en ce moment? Shanks serait dans les derniers GOAT alors qu'il est un gros prédateur dans cette saison. Ça fait des batailles. C'est vrai que t'as pas totalement tort. Hein. Après, en soi, il n'y a pas un immense... Là, dans les GOAT tiers, il n'y a pas une immense différence de puissance. Tu vois. Si on compare, les seuls qui sortent du lot, c'est, on va dire, ces 4-là. Ces 4-là, ils sortent du lot. Mais après, tous les autres, ils sont plus ou moins au même niveau d'impact dans une game, je pense. Et après, toujours, ça va toujours dépendre beaucoup un petit peu des compos qu'il va y avoir à affronter. Un King va toujours être plus intéressant contre une team verte, et un Cracker sera toujours plus intéressant contre une team rouge, quoi. Ok, bon, on est pas mal. Bon, du coup, ça aura duré quand même 3 heures. Pour moi, Oden, je le mets derrière Yama Hybrid. Ah ouais? Aussi loin tirer le maître Oden? Bon alors, pourtant il tape des bons gros one-shot Oden. Hein. Il tape des bons gros one-shot. Hein. Bonne resto, sa résistance à un PV qui est bien chiante. Counter seulement par Ray. Oden frauduleux. Oh! Respectez Oden là! Respectez Oden un peu! Les Shanks VR, lâchez ça, votre perso qui est sorti pendant le confinement là. Ah, puis il y en a plein de joueurs Shanks VR, ils sont accrochés dessus comme une moule à leur rocher. C'est une dinguerie, ils ne lâcheront jamais leur chance. C'est le perso qui... Oh, oh là là. Oden faudrait le top 1. Ah, Oden, il peut être godlike, hein, en vrai. Il peut être godlike. Hein.
Oden, il a anti tes équipes dans le tiny ou t'as partout, peu importe le temps, il me semble. Peu importe le temps. Globalement, la tier list est plutôt représentative. Après, je pense, c'est surtout des points de vue différents. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais dans l'absolu, ouais. Ouais, que je fasse. Attends, bah tiens, on va aller faire un petit comparatif rapide. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Pendant longtemps. On va voir un petit peu. Il y a certaines petites différences, mais dans l'absolu. Dans l'absolu, on est plus ou moins sur. Je suis en train de voir, tac tac. Moi aussi, ça fait quand même pas mal de choses qui changent. Bon, c'est cool au moins, c'est cool. Je trouve que ça fait, voilà, ça permet de se donner, voilà, un avis plus général. J'espère que vous avez kiffé. Vous en avez pensé quoi, les gars? C'était trop long, c'était assez long. C'était cool, c'était nickel, c'était bien. Vous avez des petites remarques, n'hésitez pas. Hein. Mais là, on va plus toucher, les gars. On va plus toucher, donc vous pouvez venir monter un peu Shanks, les teams machin. Là, on a fait tous les sondages. On a fait tous les sondages, mais un peu long, même si j'étais pas là tout le long. Ouais, je me doute, 3 heures, c'est toujours un peu long pour une tier list. Mais au moins, voilà, on a pris le temps de débattre un petit peu. J'ai essayé de pas trop m'attarder sur les persos, d'essayer de que ça s'enchaîne un minimum. Et tout en ayant, voilà, en ayant enfin, que ça ait de l'intérêt, quoi. C'est pour juste placer les persos pour les placer. Le Gandalf. Ah oui, tiens, le Gandalf. Le Gandalf, vous le placeriez où, c'est vrai? Le Gandalf. Je pense qu'il irait dans fort. Hein. On le mettrait dans fort. Hein. J'ai pas eu la notif pour le live. Ah, t'as pas la notif Discord? Il y a la notif Discord sinon. Tony, futur PDG au PBR. Eh ouais, vous croyez quoi? Vous allez voir. C'est moi, je vais remplacer Tanapi. Vous me verrez dans les lives là dans 20 ans. C'est moi, je ferai les lives au PBR. Ça serait cool, imaginez un jour qu'on ait une version FR des lives. Moi, je postule direct. Je leur dis, vas-y, je suis chaud, les gars. Comme ils avaient fait avec les Anglais là. Ouais, une version du live au PBR, mais en anglais quoi. Ce serait ouf de l'avoir en français. J'ai pu ban 2 personnes, j'ai passé un bon live. Aïe 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 aïe. Sort aussi fort le Gandalf. Fort le Gandalf, j'en vois plein dire qu'il est plus efficace que Ray. Fort devant Ray. Arrêtez! Arrêtez de massacrer mon cœur comme ça là, mais non, respectez Ray. Il y en a plein, ils veulent se faire ban devant le Ray V3. Gandalf est meilleur que Ray. Aïe 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 aïe. Va falloir que je tryhard le Ray, essayer d'aller chercher des masterclass là qui sont un peu respectés, le pauvre. Putain, mais non, mais. Faut que je joue Gandalf aussi. Faut que je joue Gandalf. Voilà, on va aller se faire quelques petites PP. On va se finir sur des petites PP et puis en espérant que ça bug pas trop, tant qu'à faire. Le Ray V3 est sorti au mauvais moment. Bah c'est aussi au mauvais moment. Et puis c'est surtout en fait c'est con de lâcher un perso en même le détruit, qu'il l'anéantit, qui fait que genre le perso il a plus aucun intérêt. C'est con ça. De toute façon ils avaient fait pareil avec le Ray V2. Hein. Il était sorti en même temps que Roger. Non, pas longtemps après. Égal fraude continentale. Fais gaffe, café. Hein. Je peux ban les modos aussi. Hein. Je ban tout le monde. Y'a aucun problème. Hein. Ray, vous le surclassez juste parce que c'est Ray. Faut lâcher. Le Ray, c'est tout. C'est même pas en tant que fanboy de Ray. Hein. Même si oui, je suis un peu fanboy de Ray, j'avoue. Mais c'est le perso en lui-même. C'est le perso. Tombé amoureux de la mécanique d'esquive parfaite le premier jour où elle est sortie. Mais Ray V1 c'était déjà masterclass, mais quand on a eu Ray V2 spam d'esquive parfaite, un autre monde. Ray V2 est sorti entre la Kainu et les 3 ans. Ah oui, oui. Oui, non, rien à voir. Rien à voir. Donc ça va, on a un peu plus profité. Là, c'est vraiment une erreur de leur part. Alors, le coup Ray Roger, c'est vraiment de la merde de nous avoir fait un truc comme ça. Après, j'espère, genre, on va avoir un contre-coup positif super bien. Si le Ray il sera God tier dans une méta lumière dans quelques temps, tu vois. C'est pas impossible, hein. Genre, ça sera le personnage incontournable. Je l'espère. Tu peux faire un tuto comment installer OPBR sur PC? Va sur la chaîne. Dans les playlists. Il y en a, ils jettent un oeil. Il y en a d'autres, ils regardent pas. Mais en tout cas, il y a des playlists, les gars, si jamais vous voulez chercher sur la chaîne principale. Et vous avez tout ce qu'il vous faut. Que ce soit pour les soutiens, les pièces. Il y a même une playlist dédiée à Riley, les évolutions des personnages. Tuto manette, c'est ici.
en tuto manette si tu veux pour jouer à OPVR sur PC. Et sinon, bon, bref, il y a plein de playlists quoi. Il y a des petites playlists, invocations, gameplay et compagnie. Je sais qu'il y en a, la playlist gameplay elle est beaucoup regardée. Bon, je reviens deux secondes les gars, faut que j'aille pisser un petit coup, puis après on va se faire des petites pépées. Parda, t'es où? T'es plus là, Parda?